Voilà, bonjour à tous et à toutes. Buongiorno a tutti, buenos dias a todos, salam alaikum. Je me réjouis beaucoup de vous accueillir ce matin pour cette deuxième journée de nos 17e rencontres internationales. Nous avons commencé hier avec un feu d'artifice intellectuel, des contributions très intéressantes, à la fois de Branco, Janet, Martin Ravalion, et puis des séances parallèles où chacun a pu présenter ses travaux sur le sujet qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire inégalité et lien social, qui est au cœur de l'activité de l'Agence française de développement. Pour que nous puissions commencer cette journée en beauté, sous le haut patronage d'ailleurs du président de la République, M. Emmanuel Macron, je vais inviter au podium notre directeur général, Rémy Rioux. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Gaël. Je suis enchanté, ravi de vous accueillir et d'ouvrir cette deuxième journée de cette conférence internationale de recherche sur le développement, de l'ouvrir au nom de l'Agence française de développement que je dirige, et prendre un petit moment pour vous expliquer et vous dire pour quelles raisons nous avons souhaité avec Gaël organiser ce moment, pour quelles raisons nous avons choisi ce thème qui me semble vraiment d'actualité pour beaucoup de raisons, et vous dire à quel point ce que vous faites chacun, et ce que vous faites ici collectivement, et ce que nous allons faire avec l'Union européenne, avec tout le monde, est important pour l'AFD, est important pour les agences, les institutions de développement plus largement. La première raison, c'est que la recherche, ce que vous faites, c'est du développement, à l'évidence. Et il est extrêmement important que nos maisons financent, investissent, soient attentives, encouragent les travaux de recherche sur le développement. C'est pas nouveau, hein, mais ça se renforce, ça se structure, ça se finance de plus en plus. Vous savez qu'à l'Agence française de développement, donc, nous avons un chief économiste à ma gauche, avec son équipe qui prend position dans le débat, avec évidemment toute la liberté qui doit être celle de cette fonction, un peu comme c'est le cas à la Banque mondiale. On a aussi une grosse direction qui s'appelle IRS, Innovation, Recherche, Savoir, qui est dirigée par Thomas Mélonio. Devant moi, il y a plus d'une centaine de personnes à l'agence qui contribuent à cette activité. Un budget important, bien sûr, qu'on prend sur notre compte de résultats pour montrer l'engagement de notre maison sur ces sujets. Et on a ces moments tous les deux ans où on fait cet appel à projet et on se réunit pour traiter de ce qui nous paraît être les sujets les plus frontières, les plus importants. Donc en 2016, c'était cette conférence sur les communs. Donc c'est bien commun, ces solutions qui ne sont ni entièrement publiques ni entièrement privées, qui naissent. Gaël avait organisé ça et depuis deux ans, ça a beaucoup nourri, orienté, enrichi, je crois, le débat public et plus simplement la réflexion interne stratégique au sein de l'Agence française de développement. Et donc 2018, je vais en dire un mot, on pense que le sujet majeur, en tout cas c'est ce qui nous nourrit à nouveau, c'est ce nexus entre inégalité et lien social, qui d'ailleurs découle assez naturellement de la conférence sur les communs. C'est parce qu'on se pose la question des communs qu'on révèle les inégalités et qu'on cherche la façon de les réorienter, de les réparer, de les recoudre en reposant le sujet du lien social. Et comme toujours, bien sûr, je crois que ce sujet des inégalités, à chaque fois que dans l'histoire de la science économique on l'a posé, ça a permis de très grandes avancées.
Je ne vais pas vous parler de Pareto, je ne vais pas vous parler de Kuznets, je ne vais pas vous parler aussi peut-être un petit peu d'Anthony Atkinson, qui a été un très grand maître dans cette analyse historique empirique des inégalités. Il nous a quittés il y a bientôt 2 ans. On le connaissait bien, on lui rend hommage, bien sûr. Il a été pour nous tous, pour vous tous, un modèle de probité, de rigueur intellectuelle. Et aussi, ça m'amène à l'AFD, un avocat inlassable pour mettre ces sujets au centre du débat public. On fait aussi de la recherche nous-mêmes à l'AFD. Hein. On a beaucoup de publications, de travaux. On l'a fait notamment ces dernières années, s'agissant des inégalités et du lien social, beaucoup de travaux sur les classes moyennes et leur place dans la société en Côte d'Ivoire, au Brésil, en Turquie, au Vietnam. On a travaillé sur la cohésion sociale en Afrique du Sud. Donc on a, et vous le partagez ces 2 jours, je crois, tout un ensemble de recherches, tout un ensemble de partenariats avec des chercheurs, avec vous et avec des chercheurs du Sud, qui pour moi sont extrêmement importants. Et puis on fait ce travail aussi de diffusion, de vulgarisation, d'explication, notamment à travers le blog ID4D. Vous en avez des extraits dans le petit livret qui vous a été diffusé. Mais voilà, donc mon premier message, c'est vraiment la recherche, c'est du développement, et nos maisons de développement, d'autres, la Banque mondiale, enfin on le fait tous, mais toutes nos maisons de développement doivent investir dans la recherche en tant que telle. Mon deuxième message, c'est vous dire que le fruit de vos travaux, le fruit de ces échanges, de ces réflexions, nous aide à remplir notre mandat de financement du développement. Et c'est évidemment particulièrement le cas quand on parle d'inégalité, quand on parle de lien social, qui est une nouvelle façon de regarder, une nouvelle façon peut-être de traiter notre mandat historique des maisons de développement. C'est un ODD maintenant, bien sûr. C'est l'ODD 10, hein, donc c'est inscrit sur le fronton de nos maisons que nous devons nous occuper très sérieusement de ces sujets. C'est ce que dit de façon forte et répétée le secrétaire général des Nations Unies. C'est ce qu'a dit le président de la République française, Emmanuel Macron, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour ceux qui avaient suivi ce sujet, hein, qui a signalé l'urgence de s'attaquer aux causes profondes des inégalités sociales que nous n'avons pas su régler et dont nous payons le prix. Et vous le savez, c'est la raison pour laquelle le président nous a accordé son haut patronage pour ce colloque, et c'est la raison pour laquelle le résultat de nos travaux sera pris en compte. Le président a souhaité que la question des inégalités soit le thème chapeau, un peu, de la présidence française du G7 en 2019. Donc voilà, ce que vous faites nous aide à remplir ce mandat. Ce que vous faites et ce que vous vous dites ces 2 jours est pleinement aussi dans la stratégie de l'AFD. Hein. Je vous la dis en 3 mots. Hein. Donc l'Agence française de développement, désormais, elle est 100% accord de Paris. Donc 100% accord de Paris, ça veut dire que tous nos projets, tous nos programmes doivent accompagner, structurer, accélérer les trajectoires bas carbone et résilientes à horizon de long terme, 2050. Ça, c'est l'engagement que tous les États du monde ont pris dans l'accord de Paris. Donc c'est ce bien commun de l'environnement et du climat si précieux sur lequel il faut qu'on trouve des solutions. Je renvoie au colloque d'il y a 2 ans. Et puis en même temps, l'Agence française de développement veut être 100% lien social. Et donc là, c'est bien sûr embarquer toute la dimension sociale des objectifs de développement durable. C'est raviver aussi toute cette théorie de la sociologie française, hein, plutôt Durkheim que d'autres thèses du lien social.
parce que les sociétés existent et il faut qu'on se replonge, qu'on repense sur ce lien entre les structures, les configurations sociales et les expériences individuelles. Et ça nous interpelle de façon théorique, mais de façon aussi très pratique dans les maisons de développement. Comment associer les parties prenantes, comment faire lien social aussi par le biais, par le moyen, par du financement du développement. 100% accord de Paris, 100% lien social, et puis on a un troisième axe stratégique fort qu'on appelle le développement en 3D. Donc ça, c'est notre action. Je reviens cette nuit là, de Mauritanie, où nous étions pour parler du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, avec tous les partenaires, dont l'Union européenne, bien sûr, de l'Alliance Sahel, que nous bâtissons depuis maintenant presque 2 ans. Donc voilà, il y a des territoires où cette question de conciliation entre l'agenda environnemental et la cohésion sociale et le lien social ne sont même plus possibles, parce que le lien social s'est déchiré, s'est défait. Et donc là, il faut encore d'autres types d'interventions, d'instruments, pour qu'on puisse revenir et se poser ces questions, qu'on retrouve ces compromis, ces accords, ces réconciliations entre l'environnemental, l'économique et le social. Donc, ce que vous faites, voilà, nous aide dans notre mandat, nous aide dans notre stratégie, nous aide aussi dans nos, je viens de le dire, dans nos projets. Je crois que le rôle des maisons de développement comme l'AFD, comme les autres, de plus en plus, c'est à la fois de contribuer aux trajectoires, aux politiques publiques, par le débat, par le dialogue, et puis ensuite d'apporter les preuves que ces politiques sont les bonnes, que ces trajectoires vont dans le bon sens, et choisir nos projets en fonction de leur capacité à être exemplaires et à accélérer les trajectoires de développement des pays. C'est ce passage permanent, cette réflexion permanente que nous avons, qu'à notre conseil d'administration aussi, entre le macro et le micro, là où peut-être nos maisons se sentaient plus responsables de faire une somme de bons projets, en fait, mais qui ne faisaient pas nécessairement trajectoire. Et ça, le climat, bien sûr, nous y engage, mais ce sont les objectifs de développement durable, plus largement, qui y conduisent. Enfin, et je termine par là, il y a une troisième raison pour laquelle ce que vous faites aujourd'hui est très important pour nous, c'est que vous, votre présence, votre exigence, ce que vous nous demandez nous transforme, en fait, change la façon dont notre maison se positionne et la façon dont notre maison fonctionne et va fonctionner. Et ça, c'est tout le thème de nous étions une banque de développement. Nous en étions fiers, à juste raison d'ailleurs, parce que les banques, ça a des procédures, ça fait des choses solides, ça fait des choses sérieuses. Et il faut garder évidemment cette qualité, mais je crois que le thème, c'est il faut passer d'une banque à une plateforme de la politique de développement. Et bien sûr, cette plateforme doit embarquer le maximum d'acteurs, contribuer à leur animation, contribuer à leur financement, de telle sorte que tous ceux qui souhaitent s'engager dans le dialogue, dans la recherche, dans l'action avec les pays du Sud et créer du lien entre nos sociétés se sentent accueillis, écoutés, entendus et financés, accompagnés par notre écosystème du développement. Donc plateforme pour nous, ça veut dire plateforme française d'abord. On habite à Paris, donc à Marseille aussi. On a cette alliance avec la Caisse des dépôts et consignations française, donc on se sent une responsabilité bien sûr particulière vis-à-vis des acteurs français.
Ça vaut pour le monde de la recherche, hein. Je crois qu'il doit y avoir certainement des représentants de l'IRD, du CIRAD, on dialogue avec l'ANR aussi, et puis de plus en plus aussi, avec plus largement avec le monde académique et les étudiants. Donc ça, c'est très important. On est aussi une plateforme internationale. Moi, je préside un club qui s'appelle IDFC, qui est le club des plus grosses banques nationales et régionales de développement. C'est-à-dire, ce ne sont pas les banques multilatérales qui ont un actionnariat très diversifié, ce sont ces institutions qui ont un actionnariat et un mandat dans leur propre pays, et souvent dans leur propre pays et dans leur propre région, voire pour certaines, dans l'ensemble du monde. Donc c'est l'AFD, la KfW allemande, la JICA japonaise, la Caisse des dépôts italienne, ça c'est pour les pays du Nord, ils sont du Nord, hein, c'est objectif. Et puis les 20 autres, ce sont les très grandes banques du Sud, hein, la BNDES du Brésil, la Caisse des dépôts et de gestion du Maroc, la DBSA, la China Development Bank, toutes ces... Et je vous dis ça parce qu'on a créé au sein de ce club un réseau de chief economists auquel Gaël prend part. Et parce que voilà, plateforme, ça veut dire aussi dialoguer avec tous ces acteurs qui évidemment ont une capacité à mobiliser, à orienter, à susciter du débat dans leur propre pays, qui me semble absolument indispensable dans le moment où nous sommes. Et puis, bien sûr, nous participons le plus activement possible, le plus positivement possible à cette magnifique plateforme européenne du développement que nous sommes en train de construire, avec bien sûr la Commission européenne au cœur, au centre de la plateforme, qui fixe la stratégie, les priorités européennes, et qui de plus en plus partage, incite, oriente, mobilise l'ensemble des institutions européennes et des institutions des États membres, là aussi pour plus d'attention, plus d'action en direction du Sud. Et donc on est très honoré, bien sûr, de la confiance que nous fait la Commission européenne. Pour nous, juste vous donner un chiffre, ça représente plus de 500 millions d'euros, en fait, hein, de crédits délégués de l'Union européenne chaque année. Donc c'est quelque chose de tout à fait stratégique et qu'on mixe, qu'on mélange avec nos propres financements, en prêts, en dons, pour des programmes plus puissants, plus grands et qui sont européens, pleinement européens. Et donc ce partenariat, cette plateforme européenne, elle va franchir aussi une étape aujourd'hui, hein, puisque nous avons reçu ces fonds délégués pour la recherche cette fois, pour un montant très important, hein, de 4 millions d'euros, qui va nous permettre de réaliser plus de 21, de très nombreux projets de recherche. Et je tiens bien sûr à en remercier Stéphane Mansservisi qui va nous rejoindre très vite, et puis toute l'équipe de DEFCO, l'unité B3, tous nos collègues à Bruxelles qui nous font cette confiance. On va en être digne, hein, on va utiliser très bien, de façon très dynamique, tous ces financements. C'est aussi le message que je voulais vous passer ce matin, hein. Les délégations de l'Union européenne, c'est pas pour l'AFD, hein, c'est pas pour que l'AFD les garde, c'est pour que par notre bilan, par notre réseau dans le monde entier, par nos chercheurs, nos équipes, en faire profiter là aussi tous ceux qui souhaitent travailler avec nous. Donc voilà, la recherche, c'est du développement. La recherche, ça nous aide à remplir notre mandat de développement, de financement du développement. Et puis la recherche, ça transforme les institutions de développement. Donc pour ces trois raisons, je serai très attentif, nous serons tous très attentifs aux actes, évidemment, à ce qui va se dire aujourd'hui, ce qui s'est dit hier. Et je voulais vous en remercier. Voilà. Merci à tous.
Merci beaucoup, Rémi. Alors, nous avions prévu d'entendre M. Stefano Manservisi, qui devait, d'une certaine manière, faire écho à l'introduction de Rémi. Stefano a été retenu à l'Élysée, il va arriver d'un instant à l'autre. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on enchaîne sur la suite du programme avec Christian Chavagneux et Blanco Milanovic, et puis on écoutera Stefano Manservisi après l'épisode suivant, qui va commencer maintenant. Voilà, donc j'appelle à la tribune à la fois Blanco et Christian Chavagneux. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Christian Chavagneux, welcome everyone. Je suis éditorialiste au mensuel Alternative Économique. Alors on m'avait demandé d'animer en anglais, mais tout le monde parle français. Quand tout le monde a parlé français, personne n'a mis le casque. Donc peut-être pour l'instant, sauf si ça pose problème, je sais que Branco comprend le français. Animer pour l'instant en français. On était ici, pas ici physiquement, mais dans les bureaux de l'AFD en janvier pour un autre colloque sous l'égide de l'AFD et de la Commission européenne aussi sur Understanding Global and Local Inequalities. Et aujourd'hui, on va un pas plus loin. On essaye d'approfondir le sujet sur inégalité et cohésion sociale. Alors que ça nous plaise ou non, qu'on aime ou pas son approche théorique, je crois qu'on peut dire que les Working Papers et le livre de Thomas Piketty a vraiment été un game changer. Hein, les économistes ne se préoccupaient pas beaucoup, oui, un petit bout de Pareto, un petit bout de Kuznets, mais honnêtement, les inégalités n'étaient pas un sujet d'intérêt très fort pour les économistes. Et depuis, oui, à tel point que l'OCDE, le Fonds monétaire international, même la Banque des règlements internationaux qui est censée s'occuper de stabilité financière, il y a 15 jours, a encore publié un document de travail sur les liens entre trop de finances et inégalités. Beaucoup pour dire qu'on est en train un peu de perdre notre temps intellectuellement. Si vous voulez résoudre les problèmes d'inégalité et de cohésion sociale, un petit peu de croissance et puis ça ira. Hein. Dès qu'on a de la croissance, on a de la production de richesses, on redistribue et puis voilà, vos problèmes d'inégalité sont réglés, arrêtez d'organiser des colloques sur le sujet. D'autres vont vous dire plutôt qu'avec une forte croissance, vous avez une planète morte, et quand vous avez une planète morte, bah, vous n'avez pas d'emploi et pas de redistribution. Et en plus, même si vous avez de la croissance, elle est plutôt inégalitaire. Donc il nous faut des experts pour arriver à comprendre ce sujet. Alors on en a deux ce matin qui vont s'exprimer. Gaël Giraud, à ma droite, qui a travaillé quand même pendant pas mal d'années sur les questions de théorie des jeux et finances. Bon, voilà, il a perdu un peu son temps, il faut le dire, à faire ça. Maintenant, il est devenu un économiste sérieux. Il est devenu chief économiste à l'AFD. Il se rachète. Bon, voilà, c'est bien. Bravo, Gaël. Et puis, on a Branko Milanovic, qui travaille au Luxembourg Income Study Cross National Data Center, qui, comme son nom l'indique, se trouve essentiellement à New York. Donc, il a travaillé sur les inégalités, Branko Milanovic, depuis très, très longtemps. Moi, j'avais été assez impressionné par un de ses précédents livres qui s'appelle Worlds Apart, que j'avais beaucoup aimé. Et l'une des conclusions du livre, c'était, je cite, « There are fundamentally no laws of motion of income distribution ». Donc, voilà, il n'y a pas de loi fondamentale qui nous permette de comprendre comment on peut réduire les inégalités et mettre de la cohésion sociale. Je n'ai pas lu son dernier livre encore, mais ce sera pour bientôt, puisque les éditions La Découverte vont le sortir en mars. Donc, si vous n'avez pas lu le livre en anglais, attendez un petit peu, dès le mois de mars, vous aurez les dernières analyses de Branko Milanovic et il reviendra, il sera à Paris pour présenter son livre. Voilà, je vais laisser, on est un petit peu tight on schedule, donc je vais laisser Gaël commencer et puis Branko Milanovic réagira et puis on pourra ouvrir le débat. Gaël. Merci beaucoup, Christian. I was planning to speak in English, but if that's fine for everybody, I would speak in French, since we are in Paris. Alors, quelques mots pour lancer un tout petit peu le débat. Bon, donc Rémi Rioux nous l'a dit à l'instant, la question de la réduction des inégalités est inscrite maintenant dans l'agenda des Nations Unies à travers le 10e ODD. C'est également un objet fondamental pour nous à l'Agence française de développement puisque, comme Rémi l'a rappelé, nous essayons de faire en sorte que nos projets soient 100% compatibles avec l'accord de Paris et 100% compatibles avec la régénération du lien social et la prévention de ces déchirures. Et donc, là-dedans, comme on l'a commencé déjà à le découvrir hier et puis les jours précédents,
la question de la réduction des inégalités est centrale. Alors, un certain nombre de points de débat que je voudrais lancer ce matin sur la table, qu'on a déjà amorcé hier matin, il y en a un premier qui tourne autour de la collection des données. Quelles sont les bonnes données pour mesurer les inégalités ? Il y a depuis de très nombreuses années, en fait plusieurs décennies, pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur la collection des données, qui ont réuni des enquêtes ménages notamment. Il y a une excellente base de données avec laquelle nous travaillons beaucoup, qui est la base WIDER, qui a été constituée au Danemark. Il y a une très bonne base de données LIS, dont on a vu des représentants s'exprimer hier. Il y a des travaux de Branco lui-même à la Banque mondiale pour également scruter davantage les inégalités. Et puis, évidemment, les données fournies par les administrations fiscales des pays, qui ont leurs vertus, qui ont aussi leurs faiblesses, qui est que leur qualité dépend de la qualité de l'administration fiscale en question. Si celle-ci est faible et s'il y a beaucoup d'évasion fiscale, par construction, les données qu'elles vont nous donner, qu'elles vont nous fournir, seront faibles. Et puis, évidemment, les données qu'elles vont nous fournir seront dépendantes de la modification du périmètre taxable fiscal. Périmètre fiscal. Je pense notamment à la réforme aux États-Unis de 1986, le Tax Reform Act de 86 aux États-Unis, qui a provoqué un changement d'altitude du niveau de revenus observés des très hauts revenus aux États-Unis, mais qui est simplement dû à une modification du périmètre et de l'assiette fiscale, ce qui peut donner des artefacts empiriques. Voilà. Moi, mon point de vue, et j'ai dit ça pour lancer le débat, c'est que plutôt que de se faire une guerre sur quelles sont les meilleures données, il faut reconnaître qu'elles sont toutes, elles ont toutes leurs vertus et leurs défauts, qu'elles sont complémentaires et qu'on a un travail d'intelligence à fournir pour les harmoniser et comprendre en quel sens elles peuvent être consistantes et cohérentes. Il n'y en a pas une qui serait intrinsèquement meilleure que les autres, je ne crois pas, en tout cas certainement pas les données fiscales. Donc du coup, il faut utiliser la très grande richesse de données dont on dispose déjà, la compléter avec ce que les données fiscales peuvent nous apporter, éventuellement, qui n'est pas absolument substantiel, et surtout travailler à rendre tout ceci cohérent pour qu'on ait un discours, un narrative, comme on dirait en anglais, cohérent sur l'évolution des inégalités. Le deuxième point, on a commencé déjà à y discuter ce point hier, c'est la question de la métrique. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut utiliser le Gini ? Est-ce qu'il faut utiliser l'entropie de Shannon ? Est-ce qu'il faut utiliser simplement des comparaisons de quantiles ? On a eu un magnifique exposé hier de Martin Ravalion de l'Université de Georgetown qui a fait, d'une certaine manière, un plaidoyer en faveur du Gini absolu. Voilà. Donc là aussi, je crois que c'est un point fondamental pour nous, en particulier dans le grand débat sur les inégalités mondiales ont-elles baissé ou non au cours des dernières années si on utilise le Gini relatif. La réponse est oui, les inégalités entre pays ont baissé, les inégalités à l'intérieur des pays ont augmenté, mais si on prend le Gini absolu, alors même entre pays, les inégalités ont augmenté. Et donc là, je crois que c'est un point aussi que je voudrais mettre sur la table du débat. Il y a des bons arguments pour continuer de travailler plus que jamais avec le Gini, et notamment le Gini absolu. Et puis, si maintenant on en arrive aux questions de politique publique, Alors là, il y a aussi certains points que je voudrais avancer. Le premier, c'est finalement, est-ce que nos débats académiques sur les inégalités au niveau mondial ont-elles évolué dans un sens ou dans un autre sont les plus pertinents ? J'en suis pas sûr. Pour nous, en tout cas, l'Agence française de développement, c'est pas évident parce que la bonne unité géographique, probablement que c'est l'unité nationale. Pour l'instant, on n'a pas de gouvernance mondiale, même si des institutions comme l'AFD, bien sûr, ont, un périmètre d'action mondial. Il reste que le lieu de la décision, le lieu solide, comme dirait Pascal Lamy, c'est le niveau national. Et que donc, à mon avis, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut réfléchir, davantage que de se perdre en guerre picrocolline sur ce qui se passe au niveau mondial. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le lien entre ceci et le lien social à l'intérieur d'une communauté, et par exemple d'une communauté nationale. À l'Agence française de développement, on a développé un indicateur de capacité relationnelle, Relational Capability, qui est un peu dans le sillage des travaux d'Amartya Sen, Martha Nussbaum et de cette communauté scientifique-là, qui consiste à dire essayons de mesurer la qualité du lien social dans une communauté à travers la capacité qu'ont les acteurs dans trois directions différentes. La première, c'est la capacité qu'ont les acteurs à se relier à un certain nombre de réseaux. Que ce soit le réseau routier, le réseau hospitalier, scolaire, le réseau radiophonique, la télévision, les réseaux évidemment sociaux, Internet, etc. Donc ça, c'est comment est-ce que je peux ou non me connecter au réseau. Deuxième dimension, la dimension des relations immédiates, personnelles, intimes, familiales. Bon. Troisième dimension, l'engagement positif en faveur de sujets d'intérêt collectif.
Est-ce que je peux participer à une action politique, être dans un parti? Est-ce que je peux aller voter? Est-ce que je peux entrer dans un syndicat, faire partie d'une communauté religieuse, dans un youth group au Nigeria, etc. Voilà. Et notre intuition, c'est que ces trois dimensions sont centrales, elles sont complémentaires, on ne peut pas privilégier l'une contre l'autre. Et les enquêtes de terrain qu'on a menées à la fois au Nigeria, en Indonésie, en Inde, au Brésil, au Mexique, tentent à montrer que lorsque les inégalités de revenus ou de statut, par exemple de genre entre femmes et hommes, augmente trop, alors ça déchire le lien social et ça fait baisser, ça fait chuter cet indicateur de capacité relationnelle. Et donc là, il y a un enjeu, je crois, de métrique. Comment est-ce qu'on mesure la qualité du lien social? Cet indicateur est une proposition parmi d'autres. C'est évidemment pas la fin de l'histoire, mais ça permet de poser des questions fascinantes du type et si on quand on fait la promotion, par exemple, de l'éducation des jeunes filles, comme nous le faisons nous à l'AFD sur toute la bande sahélienne, est-ce que ça permet de réduire les inégalités? Hommes-femmes, est-ce que ça permet de restaurer du lien social dans les communautés, notamment en brousse, au Sahel? Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ceci, il y a un grand sujet qui arrive en tête, c'est la question du climat. Christian y a déjà fait allusion, je vais m'arrêter là. Parce que ce que nos enquêtes montrent aussi, c'est que les grands événements climatiques extrêmes, donc à la fois des sécheresses prolongées, des moussons dévastatrices, l'effet El Niño, tout ça, ça contribue à la déchirure du lien social et à l'aggravation des inégalités. Alors, comment est-ce qu'on peut articuler tout ceci dans le contexte où, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, pour nous, à l'AFD, tout ceci va de pair, 100% accord de Paris, 100% lien social. Première remarque, c'est évident que les plus pauvres, à la fois les pays les plus pauvres et dans chaque pays, les populations les moins favorisées, sont les premières victimes du dérèglement climatique déjà embarqué. Et dans le dérèglement climatique, il faudrait comprendre en fait le dérèglement écologique et y inclure l'érosion de la biodiversité, la déforestation, la destruction de la faune halieutique, etc. Voilà. Premièrement, donc, ce sont les plus pauvres qui sont les premières victimes. Deuxièmement, ce sont aussi les plus pauvres qui sont les moins émetteurs. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Pour donner quelques chiffres, les émissions moyennes d'un citoyen aux États-Unis, c'est 20 tonnes par an, d'équivalent CO2. En Europe, c'est 8 tonnes. En Chine, c'est 8 tonnes. En Inde, c'est 2 tonnes. Et puis, dans un pays comme le Tchad, qui m'est cher, c'est 1 tonne. Voilà. Donc, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Donc, d'une certaine manière, il y a une double punition. Les plus pauvres sont les premières victimes et sont les moins responsables du problème. Hein. Les pays du Nord, les pays anciennement industrialisés, sont responsables d'environ 75% du stock de gaz à effet de serre accumulé aujourd'hui dans l'atmosphère. Et puis, troisième dimension, troisième canal de lien entre les inégalités d'un côté et le dérèglement climatique de l'autre, on comprend bien aujourd'hui, et on en fait la cruelle expérience en France en ce moment, que l'acceptabilité sociale des mesures associées à la transition énergétique et écologique dépend fortement des inégalités. Le rapport Stern-Stiglitz sur la tarification carbone, auquel l'AFD a fortement contribué avec la Banque mondiale l'an dernier, faisait un plaidoyer très fort en faveur de la taxe carbone, en disant que les revenus fiscaux de la taxe doivent permettre à l'État d'accompagner socialement la transition énergétique. Je crois que c'est ça qu'il faut que nous apprenions à faire. Et c'est un argument très fort en faveur de la taxe, plutôt qu'en faveur, par exemple, d'un simple marché des droits à polluer. Donc là aussi, il y a un enjeu. Certainement, on a des progrès à faire. Et certainement que la communauté scientifique a besoin d'aider aujourd'hui la puissance publique à prendre ce tournant. Il n'en demeure pas moins que, et là je crois que c'est un point central, dans ce débat, lien social, inégalité, climat, il y a une espèce d'impensé qui est, si on réduit les inégalités, ça va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas absolument évident, parce que malheureusement, si on fait des calculs de coin de table, back of the envelope, computations, on constate que, faisons l'hypothèse héroïque, que demain matin, la totalité de la population humaine sur cette Terre gagne exactement le revenu moyen par habitant, calculé en parité de pouvoir d'achat, en PPP. C'est, suivant les données, c'est compris entre 5 000 et 7 000 dollars PPP par habitant. Ce qu'on constate, c'est que si ce qu'on appelle l'élasticité des émissions de CO2 au revenu, donc de combien les émissions varient lorsque le revenu varie, si cette élasticité reste celle qu'on observe aujourd'hui, autour de 0,9, alors les émissions moyennes d'un terrien, si nous arrivions par extraordinaire à avoir une société complètement égalitaire demain matin, serait environ de 6,5 tonnes d'équivalent CO2, ce qui est à peu près la moyenne des émissions aujourd'hui. C'est un tout petit peu en dessous. Autrement dit, une société strictement égalitaire parviendrait à peine à réduire les émissions de CO2. Alors pourquoi? C'est évident, parce que les plus favorisés, évidemment, réduiraient leurs émissions, mais il y aurait beaucoup, beaucoup de monde,
75% de la population humaine, dont les revenus augmenteraient considérablement. Et s'ils augmentent à la manière dont aujourd'hui l'augmentation des revenus est associée avec les émissions de CO2, alors évidemment, ils se mettraient à polluer beaucoup, beaucoup plus. Donc il y a un vrai enjeu qui est non seulement de réduire les inégalités, pour toutes les raisons que j'ai déjà dites, mais aussi quelque chose de l'ordre de l'apprentissage de la sobriété heureuse, on pourrait dire, pour les 22% de l'humanité dont les revenus sont supérieurs aux revenus moyens d'un terrien aujourd'hui. Alors ça, évidemment, ça ouvre des perspectives pour nous autres économistes qui sont assez fascinantes et d'une certaine manière inédites, puisque ça pose la question, au fond, je crois, d'une société, on pourrait dire, post-croissance, post-growth. Et donc là, on voit arriver un quatrième thème dans le débat, inégalité, lien social, changement climatique et post-croissance. Alors, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour la décroissance, puisque la plupart des pays partenaires de l'AFD, à juste titre, nous font valoir que la décroissance pour eux, c'est passer de epsilon à zéro, donc c'est juste inimaginable. En revanche, au niveau mondial, si on écrit par exemple l'équation de Kaya, que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est une pure tautologie, qui relie les émissions de CO2 à l'intensité énergétique du PIB, l'intensité en CO2 de l'énergie, le revenu par tête et la population, alors on voit que si le revenu par tête au niveau mondial continue d'augmenter, par exemple de 2% par an, 3% par an, ce qui veut dire qu'il double en un peu plus d'une génération, alors ça va rendre très très compliqué la résolution de l'équation. Et donc ça pose la question de comment imaginer une société post-croissance pour au moins un certain nombre de pays, peut-être émergents, et les pays du Nord. Et d'une certaine manière, y compris pour nous à l'AFD, je crois qu'on est sommé aujourd'hui de réfléchir à ceci, à la fois pour en comprendre les limites et les possibilités. Alors là-dessus, il y a un certain nombre de points qu'il faut souligner, je crois. Le premier, c'est que, il me semble, beaucoup d'entre nous sont d'accord pour dire que le PIB est un mauvais indicateur. Donc, le rapport Sen-Stiglitz, non pas Stern, mais Sen-Stiglitz, en 2010, qui avait été commandité par le président Nicolas Sarkozy, faisait un certain nombre de propositions, parmi lesquelles le Genuine Progress Index, qui est une alternative parmi d'autres, qui vient d'être adopté par les États du Vermont et du Maryland aux États-Unis. Donc, c'est la preuve qu'il y a un certain nombre d'institutions politiques qui, aujourd'hui, adoptent d'autres critères que le PIB. Et d'une certaine façon, c'est une manière de dire peut-être que la croissance du PIB, ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga pour nous, qu'il y a d'autres critères, l'espérance de vie à la naissance, l'éducation, et donc en gros le Human Development Index, mais aussi les inégalités, etc. Là-dedans, il y a une objection qui apparaît très vite, qui est celle qui, par exemple, est déduite par certains des travaux de Thomas Piketty, qui est, mais si on a trop peu de croissance, alors les inégalités vont exploser. La fameuse deuxième loi fondamentale du capitalisme dans le bouquin de Thomas conduit à cette conclusion. Trop peu de croissance, donc un bêta trop faible, pour ceux qui connaissent cette terminologie, conduirait à une explosion des inégalités. Là-dessus, on a un vrai débat à la fois empirique et analytique. Donc les travaux qu'on a montrés hier après-midi, qui ont été menés à l'Agence française de développement, avec notamment le modèle GEM, qui est un modèle que nous partageons avec un certain nombre de pays du Sud, la Colombie, le Brésil, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, le Vietnam. Ce modèle-là dit que ce n'est pas absolument incompatible. On peut très bien avoir une croissance faible si les fondamentaux de la croissance potentielle ne sont plus là, ou si, pour des raisons liées au dérèglement climatique, on décide de brider la croissance, ce qui ne veut pas dire forcément faire de la décroissance. Mais on peut avoir une croissance faible sans avoir une explosion des inégalités. Il n'y a pas de lien théorique intrinsèque entre la croissance et les inégalités. Et puis, dernier point, je vais vraiment m'arrêter là, Christian, et ceci boucle avec le colloque d'il y a 2 ans, organisé par l'AFD. Si on essaie sur le terrain de faire la promotion de la réduction des inégalités et du lien social, pour nous, à l'AFD, il nous apparaît que la question des communs, à laquelle Rémi Rioux a fait allusion tout à l'heure, devient centrale. La question, ça devient comment est-ce que, on the fields, sur le terrain, on organise des communautés pour prendre soin ensemble d'un certain nombre de ressources qui sont déjà rares ou qui vont devenir rares. Et notre expérience, c'est que la privatisation, dans toute une série de cas, ça ne marche pas. Confier la gestion, par exemple, de l'eau dans les populations déshéritées à la puissance publique, ça ne marche pas non plus. En revanche, confier la gestion de l'eau à une communauté urbaine éventuellement déshéritée, ça marche très bien, surtout si on met les femmes en avant. Et ça pose aux économistes une vraie question, un vrai défi, qui est quelles sont les conditions de possibilité, les incitations pour que des personnes gèrent en commun des ressources de manière plus ou moins égalitaire. Là-dessus, et je vais m'arrêter là, la théorie des jeux à laquelle tu faisais allusion, Christian, la théorie des jeux classique dit vous pouvez oublier, il n'y a aucun moyen. L'être humain est un être égoïste. L'altruisme, c'est pour les gens gentils, mais ce n'est pas pour nous. Donc, on ne peut pas gérer les commonly resourced pools
en commun. Donc il faut trouver autre chose. Sauf qu'il y a des variantes aujourd'hui très intéressantes de la microéconomie et de la théorie des jeux standards qui donnent des réponses intéressantes. Je pense notamment aux travaux de John Romer, qui est venu nous présenter ça il n'y a pas très longtemps, à l'Agence française de développement, de John Romer de l'Université de Yale, qui propose de remplacer l'équilibre de Nash par ce qu'on appelle l'équilibre kantien, le Kantian Equilibrium. L'équilibre kantien, ce n'est pas l'idée que tout le monde deviendrait gentil et bisounours demain matin, ou altruiste. C'est l'idée qu'à l'intérieur même d'une logique et d'une rationalité égoïste, il est possible d'être un tout petit peu plus malin que l'équilibre de Nash. Si on prend en compte le fait que si je dévie d'une stratégie d'équilibre qui nous envoie dans le mur, par exemple celle dans laquelle nous sommes embarqués aujourd'hui au point de vue climatique, si je dévie de cette stratégie, ou plutôt si je n'obéis pas au mauvais équilibre de Nash, celui du dilemme des prisonniers, hein, qui est non coopératif, et si je me mets à essayer de faire autrement, il est possible que les autres en fassent autant. Et donc la question, c'est que je dois prendre en compte dans ma déviation l'impact sur moi-même, ce n'est pas de l'altruisme, du fait que d'autres pourraient dévier comme je le fais. Et dans ce cas-là, si on joue cet équilibre-là, qui est un équilibre kantien qui tient compte du fait que les autres sont aussi capables de dévier, alors on peut résoudre, au moins d'un point de vue analytique, théorique, le problème du climat, on peut résoudre le problème des biens communs et on peut avancer vers une société plus égalitaire. Est-ce que nous vivons des équilibres de Kant kantien tous les jours? La réponse est oui. Par exemple, au théâtre, si vous êtes derrière la foule et que vous ne voyez pas bien la scène, évidemment, vous pouvez tenter de vous lever pour voir un peu mieux. Mais si vous vous levez, les gens qui sont derrière vous ne verront rien, donc ils vont se lever aussi. À la fin, tout le monde va se lever. Vous ne verrez pas mieux qu'au début, et en plus, ce sera moins confortable parce que vous serez debout. Et donc, jouer un équilibre kantien qui est resté assis, bien que je vois mal ce qui se passe sur la scène, c'est plus intelligent que de jouer un équilibre de Nash au terme duquel tout le monde sera debout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Pardon de revenir à une question un petit peu plus terre-à-terre pour le long spécialiste. On a parlé beaucoup de données, d'indicateurs, de modélisation. Est-ce que, surtout dans les pays du Sud qui nous intéressent aujourd'hui en matière de cohésion sociale, tout se mesure? Alors, la réponse est non à deux titres. La première, c'est qu'on manque cruellement de données sur toute une série de sujets. Je rappelle simplement qu'il y a un certain nombre de pays que je ne vais pas citer pour lesquels on est en train aujourd'hui de calculer le PIB de 2012-2013. Donc il y a un manque de données cruelles auxquelles nous, on essaye de pallier, on essaie de pallier à l'AFD avec, en collaboration avec toute une série d'institutions académiques qui sont présentes ici. Donc on y travaille avec les instituts nationaux de statistiques des pays du Sud pour combler ces lacunes. Il y a une deuxième raison pour laquelle la réponse est non, c'est qu'il y a toute une série de questions qui ne peuvent pas se mesurer de manière quantitative. L'existence humaine et les relations sociales ne se ramènent pas uniquement à des indicateurs quantitatifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, ça veut juste dire qu'il ne faut pas essayer de les absolutiser et qu'il faut évidemment les compléter par les enquêtes qualitatives qui permettent de donner du sens et d'interpréter et d'avoir une vraie herméneutique des données quantitatives dont nous disposons. Merci. Branko. Alors, si vous voulez, je pourrais parler en français parce que tout le monde parle en français. Alors, je ne parlerai pas beaucoup trop parce que je pense qu'on n'aurait pas de temps pour des questions et des réponses. Alors, je pense parler pendant une dizaine de minutes. Quand j'ai vu, par exemple, pour la lettre d'invitation, c'est écrit là vraiment la relation entre la croissance et les inégalités. Et beaucoup de gens qui travaillent sur les inégalités, bien sûr, moi compris, depuis des années, il y a une certaine tendance parmi les gens qui travaillent sur les inégalités de négliger l'importance de la croissance. Je pense, dans mon cas, ce n'est pas évident. Je pense que la croissance est extrêmement importante pour beaucoup de raisons, y compris même pour la réduction des inégalités. Mais quand on parle des inégalités globales, la plupart de ces inégalités globales sont réduites maintenant à cause de la croissance des pays pauvres comme la Chine, l'Indonésie, les Indes, etc. Alors vraiment, la croissance joue un rôle extrêmement important. Elle joue un rôle important aussi dans les pays développés et malgré certains gens qui sont en train maintenant de propager l'idée de degrowth, c'est comment en français de décroissance. Je pense que c'est une idée, il me semble que c'est une idée vraiment qui n'est pas très bien réfléchie à cause des grandes différences de revenus entre les pays et entre les individus. Et tandis qu'on peut, théoriquement se dire, même là je ne suis pas totalement sûr, mais on peut théoriquement se dire que décroître
dans les pays riches est possible, c'est absolument impossible de le faire dans les pays pauvres, c'est-à-dire impossible d'accepter de décroître ou de ne pas croître dans les pays pauvres, pour des raisons qui sont, je pense, très claires. OK, alors maintenant, je pense, je voudrais un peu parler de relations entre la croissance et les inégalités. Pour ceux qui voudraient en lire, je viens d'écrire un blog, alors vous le trouverez sur mon blog, je viens de l'écrire en arrivant ici, parce que justement, j'ai parlé de ça pas mal de fois, mais vraiment, je ne l'ai jamais écrit. Alors, vous pouvez le lire maintenant. La relation, bien sûr, est une relation peut-être une des plus anciennes relations dans la science économique. Quand vous regardez, par exemple, Ricardo, cette relation est présente là. On la présente de la manière suivante. On a besoin des profits parce qu'à moins qu'on ait des profits, il n'y a pas de croissance. Alors, quand on a des profits et que les profits sont très importants, l'inégalité est très large. C'est-à-dire, on établit, dès ce moment-là, une relation positive. Les inégalités doivent être larges pour que la croissance soit élevée. Et ça continue, bien sûr, dans Schumpeter, ça continue dans Keynes aussi, ça continue dans les modèles néoclassiques de croissance, c'est-à-dire cette relation positive. Il faut que de l'inégalité pour qu'il y ait de la croissance. Mais là, on fait, depuis le début, on ne parle pas de l'inégalité, disons, d'une bonne inégalité en tant que telle. On dit qu'on a besoin de l'inégalité pourvu qu'on investe. Alors, vous voyez là, on conditionne déjà l'inégalité. Les inégalités doivent être présentes parce qu'on a besoin de l'argent, on a besoin de surplus, on a besoin de profits pour qu'il y ait des investissements. Alors, ce n'est pas une défense, c'est très important, je pense, de souligner, ce n'est pas une défense des inégalités en tant que telles. C'est la défense des inégalités qui sont utilisées à des fins sociales, en quelque sorte, à des fins de croissance. Et comme Keynes le disait, et même Max Weber, c'est une situation très peu naturelle, parce que vous demandez en vérité aux gens riches, aux capitalistes, de vraiment ne pas dépenser cet argent, ces profits, à leur propre, disons, consommation, jouissance, je ne sais pas quoi. Vous leur demandez d'être des conduits pour les investissements. Alors, je pense que c'est très important de souligner que vraiment, c'est le rôle des investisseurs là qui est très important. Dans les travaux empiriques, dans les années 70 et même au début du 21e siècle, on a essayé de trouver la relation entre les inégalités et la croissance, mais vraiment, on n'a pas vraiment abouti à beaucoup de choses parce que les conclusions, d'ailleurs, les gens connaissent pas mal des papiers qui ont été écrits là-dessus, mais les conclusions n'étaient pas très claires. Vraiment, ça allait de relations positives, de relations neutres, de relations négatives, et on a abandonné cette recherche. Et je pense qu'on a abandonné pour une très belle, très bonne raison, c'est que vraiment les données qu'on avait dont disposait à l'époque, vraiment, n'étaient pas très bonnes. Elles étaient vraiment des données qui étaient très générales, comme par exemple le Gini Index, etc. On n'avait pas beaucoup de données micro où on pouvait vraiment faire beaucoup plus. Plus récemment, avec un co-auteur, Roy van der Weyde et moi, on a fait des choses un peu différentes. Ça a commencé avec un papier de Sarah Wojciechowski au début. Et maintenant, ce qu'on fait, je pense que c'est vraiment ça aura un certain futur, je pense, dans cette espèce de recherche. On désagrège la croissance et on désagrège l'inégalité. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne regarde plus la croissance comme GDP per capita seulement, on regarde la croissance à tous les pourcentages, ou disons, déciles de la population. Parce que vraiment, la croissance, quand on dit GDP augmente de 3%, ça signifie seulement que le total des marchandises et des services a augmenté de 3%. On ne sait rien sur la distribution. Peut-être que le revenu de certains gens a augmenté de 2%, les autres 6%, ou les troisièmes 0. Alors, d'autre part aussi, on décompose l'inégalité, parce que les inégalités au sommet sont différentes des inégalités en bas. Et alors, on trouve pas mal de choses, mais disons là, une conclusion qui est très importante, je pense, que les inégalités
ont un rapport positif pour la croissance future des riches, mais ils ont un rapport négatif pour la croissance future des pauvres. Et alors, quand vous pensez à ça, c'est pourquoi ça arrive? Parce que ça arrive parce que les inégalités signifient que les pauvres sont en quelque sorte exclus de la société, que ce soit qu'ils n'ont pas d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour la participation, et les revenus futurs vraiment en souffrent. Bien sûr, pour les riches, l'inégalité peut être bonne parce que, bien sûr, ils deviennent plus riches, ils investissent et peut-être les revenus augmentent. Et je pense que cette conclusion où l'inégalité est la relation négative, c'est-à-dire diminuer la croissance des gens des cils inférieurs, est vraiment un résultat très important parce que ça nous démontre que l'inégalité peut avoir des effets négatifs d'une manière instrumentale sur la croissance et aussi, en quelque sorte, renverse la relation primitive, la première, celle entre la croissance et l'inégalité, où on pensait qu'en général, cette relation est positive. Alors, en plus, quand on établit la négativité de la relation entre croissance et inégalité pour les pauvres, on se pose la question suivante. Est-ce que ces inégalités et cette inhabilité de participer dans la société, d'être inclus, est-ce que ça va se transmettre d'une génération à l'autre? Et comme le sait, pour ne pas continuer vraiment donner beaucoup trop d'informations ici parce qu'on n'a pas de temps, on trouve bien sûr que les pays qui sont plus inégaux aussi démontrent une plus grande persistance des inégalités intergénérationnelles. Alors ça signifie en plus que la génération suivante, où les gens sont relativement pauvres, ne pourraient pas bénéficier ou ne pourraient pas contribuer à la croissance. Alors vraiment, là, on établit une chose, à mon avis, très importante, c'est qu'en laissant les gens qui sont pauvres de côté, on n'est pas en état vraiment de les utiliser. C'est comme eux-mêmes ne sont pas en état vraiment de devenir plus riches eux-mêmes, mais en plus, c'est une perte pour la société. C'est une perte pour la société qui n'est pas très différente de la perte quand vous décidez, par exemple, que les femmes ne participeraient pas au travail normal de la société, parce que vous perdez 50% de talent en faisant ça. La même chose arrive si vous avez les deux déciles en bas, les déciles inférieurs ou trois déciles inférieurs qui ne participent pas à la société. Et en plus, c'est une question de justice parce qu'en vérité, ça signifie qu'il n'y a pas des égalités de chance ou inequality of opportunity ou égalité de chance entre les générations. Alors ça, c'est la deuxième raison pour laquelle les inégalités sont importantes. Premièrement, parce que dans beaucoup de cas, les inégalités diminuent la croissance, comme je viens de le dire tout à l'heure. Deuxièmement, parce que l'existence des inégalités signifie que l'égalité des chances intergénérationnelles serait beaucoup moindre. Et ce qui est une question de justice après tout, parce que vraiment, en principe, on devrait tous avoir les mêmes chances de réussir, que ce soit qu'on ait des parents qui étaient très riches ou qu'on ait des parents qui sont pauvres. Et troisièmement, il y a l'aspect politique. L'aspect politique signifie, on le voit vraiment très clairement, je pense, maintenant, signifie que les riches ont beaucoup plus de pouvoir politique. S'ils ont plus de pouvoir politique, ils utilisent ce pouvoir politique pour faire des décisions politiques qui les avantagent, qui donnent des avantages en plus aux riches, qui leur permettent de garder cette position de supériorité. Alors, ils gardent cette position, mais seulement en faisant la vie politique, disons, très pro-riche ou excluant de la vie politique autant que possible les autres. Que ce soit fait par des donations aux politiciens ou par l'exclusion directe ou par les difficultés de faire le vote, etc. Il y a beaucoup de façons de le faire. Et là, finalement, je pense que ça a une importance pour l'existence des démocraties, disons, théoriquement, on voudrait avoir la même participation et le même pouvoir de tous les individus.
Et en plus, parce que ça crée une certaine instabilité au sein de ces sociétés, et finalement, il aboutit à une solution où les riches, parce qu'ils ne sont plus sûrs que leur pouvoir va être gardé, investissent beaucoup moins à cause de l'instabilité sociale. Et on retourne au début, parce qu'au début, il y avait la raison d'être pour les grandes égalités, pour des égalités importantes, était l'importance des investissements que font les riches. Qu'est-ce qu'on établit à la fin de ça? On établit que dans les systèmes où les inégalités sont trop fortes, finalement, il y a l'instabilité politique, et cette instabilité politique mène les riches à ne pas investir parce qu'ils ne sont plus sûrs qu'ils pourraient être en état de retenir des fruits de leur investissement. Alors finalement, je pense que ça démontre que laisser de côté les inégalités, ne pas penser aux inégalités, penser que cette relation entre les inégalités et la croissance est positive, je pense que ça démontre que vraiment c'est une logique qui est fausse. Juste une question. Ni l'un ni l'autre, on est en train de parler des liens entre croissance, inégalité, cohésion sociale, ni l'un ni l'autre n'avait prononcé le mot de mondialisation, surtout en parlant de pays du Sud. Est-ce qu'il faut inciter ces pays en voie de développement, ces pays émergents, à s'inscrire encore plus dans la mondialisation pour résoudre leurs problèmes ou pas? Non, à mon avis, vraiment, il faudrait les encourager de s'inscrire, de s'inclure dans la mondialisation encore plus. Parce que vous voyez, je voudrais être très, très bref là-dessus. Dans le passé, c'est-à-dire, je suis assez vieux pour me souvenir de ça, on parlait de delinkage, des pays du Sud par rapport aux pays du Nord, c'est-à-dire qu'on ne pouvait se développer qu'en se délinquant, parce qu'autrement, on vous resterait toujours le producteur des matières premières, les matières premières chutent en prix, etc. Mais ce qu'on a vu vraiment depuis les 20 ans, vraiment c'est l'inverse. Ce sont vraiment les pays qui se sont très bien inclus dans le global value chain, et généralement en mondialisation, que ce soit Chine, Vietnam, Birmanie maintenant, Éthiopie, Indonésie, etc., qui ont prospéré. Alors, à mon avis, je pense qu'il y a très peu de doute que pour les pays pauvres, les pays de revenus moyens, vraiment participer à la mondialisation est absolument incontournable. C'est-à-dire, c'est vraiment une chose qu'ils devraient faire immédiatement. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas trop le temps de prendre de questions. On a un panel assez riche qui suit. Donc je préfère qu'on attaque avec le panel suivant. Et puis de toute façon, Gaël et Branco sont là. Vous pourrez leur poser des questions un peu plus tard. Et puis il y aura une pause déjeuner. Enfin, il y aura une pause même avant le déjeuner. Vous pourrez continuer à leur poser des questions. Merci à tous les deux. Et donc, je souhaiterais que les personnes du panel suivant nous rejoignent. Jamie Galbraith, Lucas Chancel, Monsieur Baraka et Madame Barsena, que j'ai vu à peu près tout le monde. J'ai vu Jamie Galbraith tout à l'heure, Madame Barsena est là. J'ai vu Jamie Galbraith passer tout à l'heure, mais ah ben le voilà. Hi, Jamie. Hello. Bonjour. Hello. Do you want the panel to be in French or English? Sorry. French or English? English. English. Okay. Okay, I think we'll start this first panel after the first debate. The question is, how does the question of inequality and social cohesion change the way we view development? I think most of you, if not all of you, have heard about the tunnel effect brought forward a few years ago by Albert Eichmann. You know, you've got two lanes under a tunnel and everyone is stuck in the traffic jam. Nobody moves. And suddenly you've got the lane on the left, it's starting to move, you know? So the first feeling you've got is you're quite happy because you're saying, okay, the traffic jam is ending. So if the people on the other lane are moving, I'll be moving soon.
And then after a while, you don't move. Only the other lane is moving, and you don't move. So you get a bit frustrated. And if you're in France, you take your yellow vest and you go to demonstrate. And if you're in a developing country, what do you do? You know, what's the link between these inequalities and social cohesion, and what you can do to promote the growth of your country and the decrease of inequality? We've got four panelists today to try to answer this question. Mrs. Alicia Bárcena, Executive Secretary of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean. She's got a long experience with UN institutions. James Galbraith, Professor at the Lyndon Johnson School of Public Affairs at the University of Texas, Austin. He's been working for quite a long time on the question of inequalities. Nizar Baraka, the former Minister of Finance, former President of the Economic, Social and Environmental Council in Morocco, and Lucas Chancel, he's the co-director of the World Inequality Lab at the Paris School of Economics, and he has already published quite a lot on the issue of social and environmental inequalities. So, Mrs. Bárcena, please, if you want to start. Well, thank you very much. I'm very pleased to be here, and thank you for the invitation. Sorry that I don't speak French. I could speak in Spanish, but I know that's not an option. I wanted to raise two questions. First of all, we have been working on inequality in ECLAC for the last 10 years. ECLAC is the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, and why so? Because inequality is a persistent factor in Latin America and the Caribbean. This is the most unequal region of the world. So we wanted to understand why also this region has not been able to grow beyond 5 points of GDP after, for example, the decade of the 70s. We have been basically average 3%. So we developed a set of work that we have done, and we developed a particular one that I brought today in French, by the way, which is called The Inefficiency of Inequality. And the first person that really addressed the issue of inefficiency of poverty was actually a French. It was Alfred Coban, the historian who spoke about poverty as a very as inefficiency for the economy. So that's why we started thinking about that and putting some numbers. Somebody in the panel before us, you spoke about numbers, about the importance of data. So we tried to put the data together to try to understand why is, I would say, the inequality of income on the one hand, but also inequality on wealth are two factors that are impeding growth and that are, in certain way, not permitting development as far as we can see. So, two things. First of all, we started thinking, of course, as equality, as an ethical principle and a development objective. That's what Agenda 2030 says, the human rights and whatever. So we were broadening the concept of inequality to encompass autonomy, recognition, and dignity. Three things that we believe are very important: autonomy, recognition, and dignity. And a concept that has to go beyond only distribution, income, of course, but that has to include other dimensions, and that is capacities, capabilities, social protection, and access to public goods. So we went into then the theory that equality is a driver of development. That is, it's a tool for development. So we use a little bit this, we went away from this big trade-off that existed before. Branko Milanovic referred a little bit about, you need a little bit of inequality to do whatever. No, we think that there is no trade-off, that you really need equality as an outcome of an economic system, of course, but also as a strategic strategy to really do what? So we found a correlation between productivity and inequality. We said, if you are a very unequal society, you will never get into a productivity side. And that's why 28 countries of the 33 Latin American countries are middle-income countries, consider GDP per capita, but they are in a middle-income trap. Why? Because we don't have the capacity to go beyond exports based on low salaries.
We are exporting raw materials based on low salaries. So that for me is a middle-income trap that has a very crucial structural gaps. And so there is an inverse correlation between productivity and inequality. We measure that in this document. And the other correlation we measure was between investment and inequality. Branko Milanović talked about that, and we put some numbers there to see why investment in the long run or long-term investment is disencouraged in societies that are so unequal. The last point we made was, what is the correlation between equality and institutions? And that is, how can inequality generate institutions that are classists? If you see, they encourage people to go to certain things, other people, the segregation becomes more and more acute. And it generates what we call in Latin America and the Caribbean, this is historical because of also of the colonial moments, a culture of privilege. That is the elites who are the ones who manage the politics, manage relations, manage influence, and the culture of privileges which normalizes, naturalizes inequality. It means like, it is like social hierarchies are normal, and even the access to capabilities and opportunities is normal that you have different strata, and it's not normal. Because the only way we will be able to face technological revolution is if we invest early on inequalities, and we measure this as well in this document, if you invest properly in education at early stages, if you invest properly in nutrition at early stages, and in health at early stages, then you will have more equal societies in the future, and that will have definitely a impact on your future income. So access to capabilities, equality of opportunities, and we analyze what are the barriers to education and how they pass from one generation to another. For example, those parents that were not able to go beyond secondary school, it's very difficult for them to have children that will go to university. It's very difficult. Now, parents that have tertiary education, it's more and more possible that the next generation will go to further grades. So we measure that. And the other thing we measure very carefully was gender. Gender in Latin America, we're talking not about a minority, we're talking about 320 million women, because it's half of the population. And of this part, 50% of the women that are in the age to work do not have, I would say, a productive employment. Many of them are working, but with no remuneration. It doesn't mean that they don't work. They're at home, they are doing a lot of things, but they don't receive a remuneration, and also they don't have a social protection at the end of their lives. So what will happen if these women enter into the workforce at equal opportunities? So we did a modeling, and we found out that if women are able to go into the market at equal opportunities of salaries and opportunities, the poverty, for example, in Bolivia, will go down 12 points. In Argentina, 3 points, because, okay, that society is already a little bit more equal, but that's the range we are talking about. So, yes, equality pays off. Equality is necessary. We think that equality is a driver of growth. And the final point I want to make very quickly is that when you have equality of capabilities, you also have capacities, you have universal policies for social inclusion and so forth, you also have another option, and that is the emancipation of, for example, the young people. We made a calculation of how much, if you are able to provide the young people from 15 to 30 years a social income, a basic income, ¿cómo se llama? A social basic income, then that particular part of society has emancipation, has a capacity to innovate instead of being in subsistence. And that pays off very, very, very big. And the job we are doing now in ECLAC, and in the next 2 years we're going to finish, I think, this investigation, is how do we move now from, if you have equality as a very important, let's say, framework of work,
and you have sustainability as another framework of work, is it possible to do a big environmental push that is to move the whole economy into low carbon economy, into investment that pays off in terms of, for example, lithium or investing, and to move away from this middle income trap of only depending on raw materials and start diversifying the economy with employment and with a different view of circular economy? Is that economy going to be, if we move towards that sort of economy, is that going to be better in terms of social inclusion or not? So this is the big question we have ahead of us. Thank you so much. Thank you very much. Well, during your intervention, you mentioned that Latin American middle-income countries are stuck within a middle-income trap due to structural factors. What do you mean by structural factors? Well, we have many structural factors. So we are measuring traps, gaps, and the structural gaps that we find, for example, the fiscal gap. The income gap in Latin America average is 22%. If we compare that with the OECD countries, there are 34. So inequality before tax and after tax in Latin America and the Caribbean, the OECD, is similar inequality. It's very similar, basically. But after tax is completely different, which means that after the OECD countries have the capacity to give social public goods to their society, like education or health, that equalize society, which we don't have. That's a structural gap. Another one is an investment gap. Investment is very low for the reasons we were talking, that many investors don't seem to pay off because in instability. And today, for example, in Latin America and the Caribbean, we have a lot of instability. Not only that, the coming back of conservative agendas that we are looking at and the disenchantment because of corruption, because of the lack of institutions. So for me, the institutions is another trap of the middle-income countries if we are not able to survive that. Then another, I would say, another crucial structural gap is that many countries in our region don't have access to capital markets or foreign direct investment. This foreign direct investment is coming only to four or five countries, you know, the usual suspects, Brazil, Mexico, Chile, Colombia, but they don't go to the small middle-income countries. So that's another very interesting thing. And these countries are being graduated from ODA, or they are going to be, let's suppose Antigua, Barbuda, Uruguay, and Chile have it already graduated. Graduation for them means going to the cliff because it's exclusion from the international cooperation. So we believe that we should go for graduation, graduality. And I'm sorry that Stefano Manservis is not here because Stefano, myself, and OECD, the Center for Development, we develop a paper that is called Development in Transition, which means that the middle-income countries need a transition and to step away from these structural gaps. We have defined seven structural gaps: fiscal, investment, access to capital markets, the other is the productive gap, which is the heterogeneity, the fabric of inequality. The origin of inequality in Latin America and the Caribbean is that you have big companies that produce and contribute to GDP in big, large numbers, generate very, very little employment, and then you have a wide number of small and medium-sized companies generate a lot of employment but low productivity. So this is more, of course, another very important gap is the technological gap, that we are far away from digital economies. Thank you very much. Mr. Baraka, feel free to speak French or English. Oui, je vais parler français. Ben, je voulais vous remercier d'abord pour cette invitation. Moi, si vous permettez, je voudrais d'abord partager avec vous trois convictions. La première conviction, c'est que, et ça a été dit par mes prédécesseurs, c'est que la réduction des inégalités est nécessaire pour accélérer la croissance et surtout assurer sa soutenabilité dans le temps. Et en fait, parce que la réduction des inégalités correspond à un renforcement de la cohésion sociale,
correspond aussi à un moyen aussi d'assurer finalement une meilleure acceptabilité sociale des réformes qui sont nécessaires pour pouvoir donc développer le pays. Et c'est ce qui en a fait en fait l'objectif 10 au niveau des Nations Unies. Ma deuxième conviction que je voulais partager avec vous, c'est que le modèle de développement mondialisé en fait que nous avons a poussé les inégalités à leur extrême. On se retrouve aujourd'hui avec 1% de la population qui détient 50% des richesses. Et le dernier rapport de l'Oxfam a montré que 50% de la population n'a pas bénéficié de la croissance de l'année 2017, au moment où 1% des plus riches a donc concentré 82% des richesses produites. Et tout ça, en fait, pour dire qu'aujourd'hui, parler d'inégalité en ces termes devient presque obsolète. Aujourd'hui, il faut parler plutôt de fracture. Et nous sommes en train de vivre le besoin de réduire, en fait, ces fractures. Et ces fractures peuvent être de plusieurs types. Il y a, bien sûr, la fracture sociale. Cette fracture sociale est en train de s'aggraver avec la polarisation du marché de l'emploi, où nous avons une précarisation donc, des emplois, notamment au niveau des services, et qui fait qu'aujourd'hui, le gap devient de plus en plus important entre les emplois sophistiqués avec des revenus beaucoup plus élevés et les emplois en fait, précaires qu'on retrouve au niveau de la société. Deuxième point, une fracture évidemment, je dirais, sur le plan des territoires. Et là aussi, nous avons, et dans plusieurs pays, en fait, on retrouve cette différence donc, entre la concentration des richesses sur certaines régions par rapport à d'autres, mais surtout les déserts en fait, du service public qu'on a dans un certain nombre de territoires, avec un appauvrissement en, fait, en termes de services publics de ces territoires, ce qui aggrave les inégalités actuelles, mais également futures, au niveau des enfants qui vivent et qui naissent dans ces communes. Et la fracture évidemment technologique et numérique qui est là, qui est très présente, sans parler bien sûr, comme le disait Gaël, de la fracture climatique et qui est très importante et qui nécessite véritablement une véritable mobilisation qui avait bien été entamée avec la COP21 à Paris, avec l'accord de Paris, qui a été renforcée par la COP22 à Marrakech et qui malheureusement elle est depuis en plein blocage avec les événements que l'on a vécu donc avec la décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris. La troisième conviction que je voulais partager avec vous, elle a trait au fait que, et ça c'est une vraie problématique, la crise de 2008, la crise financière de 2008 qui s'est traduite en crise économique, crise sociale, etc., finalement n'a pas été saisie pour pouvoir corriger les déviances finalement du modèle mondialisé que nous avions. Et c'était une véritable opportunité qui s'offrait à nous. Plusieurs pays, et je sais que la France à l'époque était venue avec toute une vision pour pouvoir revenir en fait au lien avec l'économie réelle de la sphère financière, mais depuis les corrections ont été faites plutôt dans un autre sens, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation de blocage et d'augmentation et d'aggravation des gaps, et ça crée véritablement une frustration chez les populations. Et ça crée plutôt une exaspération par rapport à la situation, et notamment par rapport à la situation future, où on voit en fait le déclassement social des classes moyennes, et on voit surtout une inquiétude par rapport aux générations futures. Et cette situation-là, se traduit par une conviction chez les populations et chez les citoyens d'une impuissance des gouvernants à pouvoir faire face à la réduction des inégalités, et plus encore, en fait, pose le problème de la représentation démocratique et pose la problématique majeure, de la représentation aussi et de l'intermédiation, qu'il s'agisse des syndicats ou qu'il s'agisse des autres acteurs de la société civile. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous sommes plutôt dans une logique où il y a une véritable dictature de l'instant, où les gens veulent les choses tout de suite, à un moment où on a des problématiques plutôt de long terme
et qui ne peuvent être corrigées que dans le temps. Je vais vous parler très rapidement en fait de notre vision au Maroc. Je tiens à dire, vu mon expérience gouvernementale, mais aussi au niveau du Conseil économique et social passé, c'est que le Maroc a une situation particulière où nous avons, je dirais, réussi au courant de ces 15 dernières années à améliorer le revenu par tête de 3% par an, où nous avons réussi à réduire la pauvreté de 15% en 2004 à 4,8% en 2014, où nous avons aussi corrigé et légèrement l'indice de Gini, donc les inégalités sociales, donc de 0,40 à 0,39. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes arrivés à la conclusion que le modèle que nous avons, notre modèle de développement, n'est plus viable et qu'il y a un besoin de revoir ce modèle de développement. C'est la raison pour laquelle le souverain a appelé à cette réflexion autour de ce nouveau modèle de développement, lié au fait que malgré l'amélioration du revenu et la réduction de la pauvreté, il n'en demeure pas moins que les inégalités ont continué à se creuser. Et notamment les inégalités au niveau des territoires et les inégalités surtout d'opportunités et de mobilité sociale, notamment pour les plus jeunes, avec un taux de chômage des plus jeunes au niveau urbain, un taux de chômage des plus jeunes qui est autour de 20%. Et surtout, on a un paradoxe au Maroc où le taux de chômage des diplômés est trois fois plus important que le taux de chômage des non-diplômés. Et qui fait évidemment qu'il y a un impact négatif par rapport à la perception de possibilités de mobilité dans le futur à travers l'éducation et à travers, je dirais, donc, l'enseignement. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a un besoin de changement de paradigme. Et permettez-moi de vous proposer quelques idées pour y parvenir. Tout d'abord, je pense qu'il est important qu'on ne travaille pas uniquement sur la cohésion sociale, mais je pense qu'on a besoin de travailler sur la cohésion sociétale. Et quand je parle de cohésion sociétale, je parle essentiellement de la cohésion sociale, bien sûr. Je pense aussi à la cohésion territoriale et je pense à la cohésion intergénérationnelle, si on veut véritablement passer à autre chose. Deuxième point, pour pouvoir agir et faire face à cette situation, j'ai une proposition à faire en tant qu'ancien ministre des Finances. On a besoin d'une budgétisation sensible aux inégalités. C'est-à-dire comment faire en sorte à ce que les budgets puissent être revus à la lumière en fait, des objectifs de réduction des inégalités et voir comment en fait, les différents programmes publics qui sont menés répondent ou pas à cette problématique. Et cela impliquerait véritablement une remise à plat de l'ensemble des avantages fiscaux qui sont accordés, des avantages budgétaires qui sont accordés, des avantages financiers et fonciers qui sont accordés pour pouvoir les restructurer pour être beaucoup plus efficientes dans la logique de la réduction des inégalités dans ces trois composantes sociales, territoriales et intergénérationnelles. Troisième point, troisième proposition en fait, que je voudrais faire dans cette logique, et qui est aussi, je dirais, assez importante, c'est cette notion, vous en parliez tout à l'heure, d'intégration. Et d'intégration économique, mais aussi intégration territoriale. Aujourd'hui, il y a un véritable besoin, pour nous en tout cas, comme pays en développement, et je dis en voie d'émergence, de nous inscrire dans ces chaînes de valeur mondiale, mais aussi de veiller à ce que cette intégration puisse se traduire par une intégration aussi des chaînes de valeur au niveau de nos propres régions, mais aussi au niveau continental et au niveau de l'Afrique. Et le dernier point que je voudrais ajouter en la matière, et qui me semble aussi essentiel, c'est qu'il y a un réel besoin aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, de développer les soft skills, parce qu'aujourd'hui, avec la révolution numérique, les métiers vont connaître un bouleversement majeur, avec beaucoup de métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Et donc, il y a un besoin de faire en sorte à ce que les citoyens puissent être toujours en capacité, en renforçant leur capacité d'adaptation
au niveau changement en fait, qu'il y aura au niveau du marché du travail. Et il y a aussi un besoin de refondre la gouvernance institutionnelle pour qu'elle soit plus participative, et qu'elle soit plus adaptée, je dirais, aux besoins des citoyens, mais surtout pour qu'elle puisse montrer sa capacité à faire face en fait, à ces problématiques d'inégalité. Et cela implique de mettre l'accent sur le développement local. Moi, je considère qu'il est très important de revenir aux communes, de leur donner beaucoup plus de poids pour qu'on puisse véritablement répondre à ces problématiques. Et je vous remercie. Merci. Vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances. Un budget sensible aux inégalités, concrètement, ça veut dire quoi? C'est politique fiscale, politique de dépenses publiques, on fait la liste des dépenses publiques, on dit celle-là ne fonctionne pas. Dépenses militaires, par exemple, on réduit parce que ça ne réduit pas les inégalités, ou est-ce que tout porte sur la politique fiscale et de redistribution? Non, je, en fait, c'est bien ce que je disais, c'est qu'il s'agit de revoir en fait l'ensemble. Donc le fiscal, la politique budgétaire et la politique financière, pour y parvenir, évidemment, il y a lieu de voir quelles sont les dépenses qui sont improductives et celles en fait qui ont aussi, qui favorisent, finalement, ça a été dit par madame tout à l'heure, aujourd'hui, on le voit, il y a un vrai problème de captation finalement donc, sur le plan fiscal des moyens nécessaires. Nous avions par exemple dans notre cas, on a vu que la fiscalité ne permettait pas véritablement d'assurer cette solidarité et c'est la raison pour laquelle on avait créé un fonds de cohésion sociale et on avait mis en place en fait, une taxation supplémentaire sur les revenus les plus élevés, sur également les entreprises qui avaient le plus, je dirais, de profits pour pouvoir financer en fait les programmes de réduction de pauvreté et de réduction des inégalités. Merci, c'est une mesure intéressante dans le débat français. Je pense que ça nourrira aussi le débat chez nous. Jamie Galbraith. Thank you very much. My work in this area has been carried on over about almost 25 years now. As part of a small working group at the University of Texas. And it's been largely concerned with a very workaday question, which is the quality and consistency of information of the data sets that measure inequality in the world economy, and especially in those countries, the countries of the developing world, for which the data record is really not very good. And this is a problem which is nobody's fault. It has to do with the fact that in many countries the survey record is very sparse because resources were not devoted to taking surveys. And across countries, the concepts being measured are often different, and therefore the measurements are often not fully consistent with each other. So comparisons are difficult both across time and space. And also the record is, generally speaking, biased toward, as I said, toward richer countries, which have more resources and have had an interest in these issues over a longer period of time. So what we set out to do was to find sources in the historical record that could be used to fill in the gaps, to construct measures of inequality, which would be conceptually consistent, and that would be reasonably continuous over periods of time, so that you could make comparisons of levels of inequality and the movement of inequality. And we succeeded in doing that because it turns out there's a lot of information that's available in national records and in international data sets simply certain very relatively straightforward techniques are applied, yield estimates of inequality which track very well with the existing survey records, so that you can fill in the gaps and establish with some reasonable confidence what the historical patterns have been. And so I'll just say very quickly what we believe to be the case. We now have data sets that run from early 1960s up through the mid-2010s, up to about 2014, with about 4,000 independent country year observations. So it's basically the largest data set which is not rely on any interpolations across countries or time and which is based upon a single consistent and comparable inequality concept. In this case, it's the inequality. What we're trying to estimate is the inequality across
households of gross income. And what we discover is a number of consistencies which we think are very interesting. First of all, to no great surprise, the wealthy countries are much more egalitarian than the poorer countries. And this is closely related to two measurable features of the difference in their economic structure. One of them is industrial scale. How large is the manufacturing sector and its very closely related sectors, but what you're measuring is manufacturing, in terms of the population of the country as a whole. Countries with larger manufacturing sectors have less inequality for the very simple reason that a manufacturing sector generates a working class that is essentially a middle class entity. And you can't be a rich country unless you have a large part of your population which is effectively middle class. It's not computationally possible. And second factor, which we've measured very, which is essentially what we measure, is the polarization of incomes across the industrial structure. Are the jobs and incomes concentrated in the middle of the distribution, or are they essentially a dual economy, such as you were describing, with perhaps, let's say, a mining sector or an extractive sector on one side, a petroleum sector, let's say, and then a large agricultural and service sector with very low incomes on the other end of the distribution. And what we find essentially from, if you take sort of the very high level of generalization, you might say that there are three major regions in the world. There's the industrial West, which has a relatively low level of basic inequality, although it's higher than it is, much lower than it is in the developing world, with a substantial amount of redistribution through the welfare state. Right, through the tax and transfer system. And then you have a quite different system which evolved in the East, where the initial levels of inequality, that is to say across pay structures, were much lower due to the, let's say, to the influence of the Russian Revolution and its sequels. But there is essentially very little by way of redistribution, so that you have a quite different social structure as a result. And in the developing world, higher levels of base inequality and very little redistribution. So you have a higher level of inequality in the final structure of the society. So that's one essential pattern of comparison. I would modestly beg to differ with my colleague about, let's say, Latin America's claim to have the highest level of inequality in the world. We don't find that any particular region can claim that dubious distinction. And for example, India, as anybody knows, is a very high inequality country, although the numbers that it reports are relatively low because they're consumption numbers rather than income numbers and can't be compared with the numbers that Latin American countries tend to report. So we clean out that kind of problem, and what we find basically is that the poorer countries, for the reasons I just described, are very substantially more unequal than the richer ones. But we also find that there are patterns through time which are important and which tell you something, I think, exceedingly important about the political economy of inequality in the relationship between developed and developed countries. And these patterns rather closely coincide with distinctive historical events. So, for example, in the earlier period, 1963 up until the early 1970s, there's basically no trend in the movement of inequality. It goes up in some places, down in others, but not by an enormous amount. From 1971 until 1980, there is a general tendency for inequality to decline. After 1980, it rises dramatically, and it continues to rise in ways across the world for about 20 years. What is going on here? Well, in 1971, you had the dissolution of the stabilizing exchange rate framework that was known as Bretton Woods, followed by a boom of commodities prices and debt finance development, which came to a crashing end in 1980-1981 with the rise of interest rates to 20% and the collapse of the viability of the debt of Latin America, South Asia, and many other places. And what that produced, it's very visible in the data, is a dramatic increase in the internal inequality of the developing countries that were affected
by those events. And it goes in waves. It's Latin America and Southeast Asia in the first wave, and all Central and Eastern Europe, what became the former Soviet Union in the late 1980s, and then Asia in the mid-1990s. And this is a function of the way in which financial liberalization played out across the global economy and in the way in which financial crisis hit and affected particular regions, which were, again, a function of their institutional capacity to resist being, let's say, having their economic fates entirely in the hands of global financiers. So a country like China, which maintained capital controls through the 1990s and indeed to the present day, had a different pattern simply because of that fact from the countries of South Asia, Latin America, Africa, which were subject to the ebb and flow of global finance and to the movement of worldwide interest rates, to the instability that is very, very closely associated with and indeed marked by dramatic movements of inequality across countries. What we find in particular, and I think it's a very interesting association, given that one can see a very close and I think plainly causal connection between variations of pay inequality across industries and the inequality of household incomes, is that the pay inequality across industries is itself very closely associated with exchange rate movements, which are, of course, fundamentally in the modern economy, a function of international capital markets and global finance. So what's going on here is that in any particularly developing countries which have a strong export market, and in all, practically all cases, the exporting industries are the highest paid industries available in that country, you have a situation when an exchange crisis hits, the exporting industries immediately have an increase in their local currency revenues because the currency has devalued, and now the pesos, the dollars that are coming in translate into more pesos, or whatever the local currency is. And the industries and that do not sell to the international market and to the service industries and all the poor people who are in the informal economy have the same local currency incomes they had before. And the result of that is the inequality goes up. It's not a behavioral response. It's not something that happens in a week or a month or 3 months' time. It happens the next day. It's an immediate contemporaneous effect, and it has a very strong influence on the measure of inequality inside the country. And so I think what one can see is that while we tend instinctively to think of inequality as a national policy problem, and it certainly has national policy elements, it also has a very strong global financial dimension. And if you're going to look for the source of the rising inequality that we've experienced in our time, you have to look at what happened in the global financial system, particularly in the neoliberal era from the late 1970s up through, well, to the present, but with an interlude after 2000 because of the South American summer and the rise of China, the fall of interest rates that followed the 9/11 attacks and other matters affecting the industrial West. And these matters have to be addressed because otherwise inequalities which are tackled at the national level will be continually recreated by the international dimension. I would just say that one does have examples. I mentioned China, which maintained capital controls as an example of a country which is able to set its own path. It has its own issues with rising inequality, which are somewhat distinct and have to do with the very rapid pace of Chinese economic development. But conditions would be much worse, and in fact, I think unsustainable in China if it had not maintained the financial independence that it did. And you can look at the history of particular countries, I would say, in Northern Europe and Scandinavia, very interesting examples to ask what happens if a country or a small group of countries maintains the capacity to keep its pay structures in good order
And what are the economic consequences of that? And I think you made, again, an important point, which is that the record clearly shows that countries which achieve that are more open to technological change and have higher rates of productivity growth. Why is that? It is because industries inside those countries, which are more advanced, are able to prosper by if they're paying higher wages, and they don't have to rely on cheap labor to remain competitive in world markets. Those that do have to rely on cheap labor have to go elsewhere or to simply disappear in that situation. So the regulation of wage structures is, in fact, a productivity driver, and this is something the Scandinavians have known at least since the 1950s with the Rehn-Meidner model, and perhaps one could argue even since the 1930s, and it's the key to their rise to the top of the world income distribution. So I would leave that point on the table, and also note that while it is often said in orthodox economics that one needs flexible labor markets in order to deal with unemployment, the reality of the situation is that countries which have maintained a disciplined egalitarian approach to their wage structures have systematically less unemployment. The reason for that is also, I think, exceedingly easy to understand when you think about it. If all the jobs are reasonably well paid, people don't tend to desert the lesser well paid jobs for the more well paid jobs, whereas in extremely unequal countries, inequality is a vector of economic migration, it's a vector of job surge, and it is a source of chronically high unemployment. So thank you very much. Thank you. Jamie, the obvious question of your representation is, do you think that 10 years after the financial crisis, we've regulated finance enough so that we don't have the same problem that you've just mentioned from the 1970s, 80s, 90s? You're asking whether we have an adequately regulated financial system in the world economy? Yes, in English. Okay, I thought I had to adjust my hearing aids on that one. I would say, Mr. Moderator, you have a fine sense of irony, and I really am at a loss to improve on it. Thank you. Lucas. Je vais rebondir sur ce qu'a dit James Galbraith, et je suis d'accord avec essentiellement tout ce qui a été dit sur l'analyse des tendances, mais je voudrais quand même revenir sur trois points. Le premier, sur les outils de mesure des inégalités. Qu'ont les chercheurs et les gouvernements. Deuxième point sur le constat, les tendances. Et troisième point sur les évolutions potentielles futures. Sur le premier point, on a au niveau international, depuis la fin des années 40, un système standardisé qui évolue, qui est aussi lui-même sujet à controverse entre comptables nationaux, mais on a un système de mesure du PIB et de mesure de la comptabilité nationale au niveau macroéconomique. Force est de constater que nous n'avons pas aujourd'hui, les gouvernements n'ont pas de mesures standardisées de la répartition de cette croissance entre différentes classes de revenus, entre différents groupes de patrimoine. Les données officielles utilisées dans la plupart des cas par les instituts statistiques nationaux sont basées sur des enquêtes réalisées auprès des ménages. Or, ces enquêtes, il y a peut-être déjà été question de ce sujet-là au cours de cette discussion hier ou aujourd'hui, ces enquêtes, on le sait, sous-représentent l'évolution des inégalités ou représentent assez mal ce qui se passe au sommet de la distribution des revenus. Or, dans un grand nombre de pays, depuis une trentaine d'années, c'est précisément là qu'une grande partie de l'action se passe. Donc, il y a un problème dans le fait de n'utiliser que ces enquêtes pour répartir l'ensemble de la croissance économique, cette croissance qu'on entend année après année ou trimestre ou semestre après semestre dans les publications officielles de la comptabilité nationale et des instituts officiels. Il faut utiliser ces enquêtes, mais on a aussi besoin d'utiliser d'autres sources d'informations pour voir vraiment ce qui se passe au sommet de la distribution. Et si on ne le fait pas, eh bien on va voir une représentation qui peut être assez fine du revenu disponible des ménages tels que déclarés dans ces enquêtes, mais on oublie une partie importante de la croissance. Ce qui fait que souvent, ce que vont nous dire les enquêtes, ça nous informe sur un taux de croissance qui est en fait des fois juste la moitié du taux de croissance qui est affiché par la comptabilité nationale.
Donc il y a un décalage. Ce décalage, ce n'est pas juste un problème statistique, ça peut aussi être un problème social ou politique important, puisque les individus, les citoyens, ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'économie, on leur dit qu'elle croît à 7% par an, et en fait, le revenu des ménages, lui, va croître à 3% par an, tel que représenté par les enquêtes. Une partie de cet écart-là, c'est la captation de la croissance par les 1% du haut, les 5% du haut ou les 0,1% du haut. Donc, on a besoin de combiner ces différentes sources, on a besoin de le faire de manière standardisée et harmonisée. Et ici, l'exemple intéressant, c'est que bon, il n'y avait pas de chiffre du PIB dans les années 30. Quand la crise de 29 arrive, les gouvernements n'ont pas de PIB. Le PIB est inventé par Kuznets, par Clark, par Keynes, donc des chercheurs, qui ensuite réussissent à convaincre le système des Nations Unies qu'il faut utiliser des mesures standardisées. Et tous les pays se mettent à utiliser ce système-là à partir de la fin des années 40, à partir de 1947. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire la même évolution sur cette question de distribution des chiffres de la croissance. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire au laboratoire sur les inégalités mondiales, avec plus d'une centaine de chercheurs répartis sur tous les pays. On utilise des données d'enquête, dont James Galbraith vient de parler. On utilise aussi des données fiscales et des données sur l'évasion fiscale pour mieux voir ce qui se passe au sommet de la distribution et pour finalement rapprocher la macroéconomie de la microéconomie, pour rapprocher les chiffres macro de la croissance avec les évolutions micro. Et donc, quand on fait cet exercice-là, juste un exemple qui est assez marquant, en Chine, par exemple, ce que nous disent les enquêtes faites auprès des ménages, c'est que les 1% les plus riches captent à peu près 7% du revenu national. Mais une fois qu'on intègre les données fiscales, une fois qu'on intègre, qu'on répartit l'ensemble de la croissance sur les différentes catégories de revenus, cette part captée par les 1% du haut passe de 7% à 14%. C'est un doublement de l'inégalité mesurée par cet indicateur. Donc c'est extrêmement important de faire cette opération. Autre exemple, on sait que la pauvreté a diminué au Brésil depuis une quinzaine d'années grâce à d'importantes politiques de transfert, grâce à d'importantes politiques d'accès à la santé, d'accès à l'éducation. Et souvent, on peut voir dans certaines études donc réduction de la pauvreté et réduction des inégalités. Mais quand on regarde ce qui se passe au sommet de la distribution, du fait qu'il n'y a pas eu de réforme fiscale majeure ou de réforme de la propriété terrienne majeure au Brésil, en fait, on observe une légère hausse de la part du revenu des 1% du haut. Donc vous avez une hausse en bas de la distribution, une baisse de la pauvreté, une légère hausse au sommet de la distribution, une compression de la classe moyenne et au global, au Brésil, une stabilisation des inégalités, quand on prend en compte l'ensemble de ces données-là. Donc ça raconte une histoire différente, qui n'est pas antithétique avec celle de la réduction de la pauvreté au Brésil, mais qu'une histoire qui est plus complexe que ce qu'on peut entendre généralement. Et c'est donc, en autre sens, extrêmement important de regarder l'ensemble de cette histoire-là. Et donc, sur le constat général depuis une trentaine d'années, le constat est à peu près le même que ce qui vient d'être présenté ici, c'est-à-dire baisse des inégalités ou stabilisation jusqu'en 1980, ensuite hausse des inégalités dans la plupart des régions du monde depuis 1980, dans certaines régions, stabilisation, comme je viens de le dire au Brésil, mais à des niveaux d'inégalités extrêmes. Mais ce qui est intéressant dans cette évolution-là, c'est plus les différences, les divergences entre pays. Et je vais revenir sur la Chine, en comparaison avec l'Inde, donc depuis 1980, ouverture au commerce international, dérégulation en Chine et en Inde. C'est des pays qui sont difficilement comparables à bien des égards, mais l'évolution des inégalités est intéressante, puisque de 1980 au milieu des années 2000, les deux pays partent à peu près du même niveau en matière d'inégalité, très faible niveau d'inégalité de revenus de patrimoine, et arrivent à peu près au même niveau dans les années 2000. Donc on part du 1% les plus riches, qui est à peu près 6-7% du revenu national en 1980, et ça monte à peu près 12-14% au début, au milieu des années 2000. La Chine réussit depuis le milieu des années 2000 à stabiliser les inégalités grâce à d'importants investissements dans les transports, dans les infrastructures de santé, dans l'éducation et notamment dans les zones rurales et notamment pour les 50% les plus modestes. Donc stabilisation depuis les années 2000. En Inde, poursuite sur la même tendance d'explosion des inégalités, donc le 1% du haut est passé de 6% en 1980 à 14% en 2005 et aujourd'hui à 21%.
En Chine, on est toujours à peu près à 14% aujourd'hui. Donc on a des trajectoires divergentes dans ce panorama général à la hausse qui nous montre quand même qu'on peut faire des choses, qu'on peut avoir une croissance qui est plus égalitaire. Et ce qui est intéressant aussi en Chine, c'est que ce qui fait les taux de croissance aussi importants en Chine, eh bien, c'est notamment parce que les 50% du bas ont bénéficié de ces investissements importants dans les infrastructures. Et c'est ça qui fait, qui contribue à faire un taux de croissance aussi important en Chine et finalement une croissance plus égalitaire que ce qu'on observe en Inde. Cette divergence de trajectoire, divergence de modèle de développement, on l'observe aussi bien sûr évidemment entre les États-Unis et l'Europe, où là on a des niveaux d'inégalité qui sont similaires, très semblables aussi en 1980, une explosion d'un côté de l'Atlantique aux États-Unis et une évolution modérée de l'autre. Donc toutes ces évolutions-là sont difficilement perceptibles avec ce degré de finesse, notamment sur ce qui se passe au sommet de la distribution, quand on n'en combine pas ces différentes sources de données, donc les enquêtes, mais aussi les données fiscales, et autant qu'on peut le faire, les données sur l'évasion fiscale. Donc ça, c'est sur le constat depuis une trentaine d'années. Maintenant, sur le futur, et notamment sur l'évolution des inégalités mondiales, si on regarde les inégalités entre citoyens du monde, qu'est-ce qui va se passer ? Bien, depuis 1980, il y a une légère hausse de ces inégalités mondiales. Si on regarde la part du revenu mondial capté par les 1% les plus riches, passe de 16% à 21% entre 1980 et aujourd'hui. Mais on observe depuis 2005, et notamment du fait de la croissance plus égalitaire en Chine, notamment du fait aussi de la crise économique dans les pays riches, qui fait que la croissance a été plus faible dans les pays riches que le trend qu'il y avait avant, on observe une légère baisse des inégalités mondiales depuis 2000-2005. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Ben, c'est la combinaison de deux grandes forces. C'est la combinaison de l'évolution de la croissance dans les pays émergents, donc la réduction des inégalités entre pays, et d'une autre force qui est comment cette croissance est redistribuée à l'intérieur des pays. Et donc dans le rapport sur les inégalités mondiales, donc cet exercice collectif qui est paru au début de l'année, donc qui est le fruit du travail de cette centaine de chercheurs associés au World Inequality Lab, on fait des projections sur le futur de ces inégalités mondiales. Ces projections sont ce qu'elles sont, elles sont très simplistes, mais elles nous aident à comprendre ce qui peut se passer dans le futur. Et l'un des enseignements principaux ici, c'est que si on ne compte que sur la croissance des pays émergents, la poursuite de la croissance en Chine, la poursuite de la croissance en Amérique latine, plus forte croissance en Afrique et en Amérique latine, ça ne peut pas suffire si on reste sur le même trend sur la manière avec laquelle les pays distribuent cette croissance à l'intérieur de leurs frontières. Cela ne pourra pas suffire à réduire les inégalités mondiales. Les inégalités mondiales vont continuer à augmenter, même si cette croissance est très forte. Et donc c'est vraiment la distribution de cette croissance qui compte pour réduire les inégalités mondiales. Donc on ne peut pas compter sur juste la réduction des inégalités entre pays, sur la convergence des revenus moyens. Donc bien sûr, c'est sur le modèle de développement, le modèle de répartition de cette croissance à l'intérieur des États. Et je voudrais conclure là-dessus sur on ne pourra pas bien avancer et bien mesurer les politiques budgétaires, comme il était dit par Nizar Baraka, si on n'a pas ces modèles, ces mesures standardisées de répartition de cette croissance. Et donc c'est extrêmement important, c'est l'un des enjeux essentiels de la prochaine révision du système des comptes nationaux. Donc il y a une révision, il y a des révisions à peu près tous les 15 ans, il y en a une qui arrive dans les années qui viennent, et c'est extrêmement important que les pays se mettent d'accord sur des mesures standardisées pour bien mesurer ces évolutions. Merci. L'un des enseignements, quand même, que je trouve qui ressort depuis ce matin des différentes interventions, c'est qu'il y a encore un gros enjeu sur les données. Il n'y a pas encore de consensus, j'ai l'impression, chez les experts, chez les économistes, sur les données, voire même des batailles pour savoir qui a les meilleures données. Jamie Galbraith, tout à l'heure, nous disait les conditions internes des pays, ça compte, mais c'est surtout l'environnement financier, monétaire, son instabilité au niveau international qui compte. Lucas, toi, tu nous dis, non, je prends des pays qui sont à peu près au même niveau, c'est la différence entre les politiques internes qui jouent, donc c'est plus l'intérieur que l'international qui joue.
C'est bon, c'est bon. Non, mais je pense qu'il ne faut pas opposer les deux visions, enfin les deux, l'extérieur et l'intérieur jouent, mais on peut pas oublier l'intérieur. Enfin, c'est ce qui ressort quand même de ces comparaisons internationales, c'est évidemment l'importance des politiques d'accès à l'éducation, d'accès à la santé, des politiques fiscales, des politiques d'encadrement du marché du travail qui sont essentielles pour expliquer ces divergences à la fois au sommet de la distribution, mais aussi sur la mesure dans laquelle les 50% du bas, les classes populaires ou les classes moyennes, sont capables de capter une bonne partie de la croissance. Est-ce que vous êtes les seuls, c'est vrai que j'étais frappé par ça, en regardant vos stats, à intégrer la part de l'évasion, de l'évitement fiscal des plus riches, pour mesurer les inégalités, parce que ça paraît un élément clé? Alors, est-ce qu'on est les seuls? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on essaie de le faire le plus possible dès qu'on a des informations là-dessus qui peuvent venir de collaborations avec des journalistes, notamment avec l'ICIJ, sur les données issues de certaines leaks. Donc, on va essayer d'intégrer le plus possible à notre analyse. Mais encore une fois, ici, il s'agit d'un travail qui ne fait que commencer. Et donc, finalement, toutes nos évolutions, c'est souvent une borne basse à la fois au niveau de l'inégalité, mais aussi à l'évolution de ces inégalités depuis 1980, puisque, en tout cas, les informations qu'on a, c'est que cette évasion fiscale, elle est croissante depuis 1980, plutôt que décroissante, et elle était assez peu présente il y a une trentaine d'années, et elle grandit dans tous les pays, en tout cas, où on a des informations dessus. Merci. On a 15 minutes de questions, puisque à 11h15, on aura la chance d'avoir Stefano Mazzervisi qui aurait dû être là ce matin un petit peu plus tôt, qui a été coincé, mais qui sera avec nous. Donc, on aura son intervention de 15 minutes. 15 minutes de questions, s'il vous plaît. Vous vous présentez, et comme on n'a que 15 minutes, si vous attendez un retour aussi de la salle, soyez assez bref, assez court dans vos interventions. Merci. On a ici deux déjà à peu près au milieu de la salle. Mohamed Ali Marouani de l'Université Paris 1. J'ai une question à Lucas Chancel et en lien aussi avec l'intervention de James Galbraith. J'ai l'impression que dans vos travaux, il y a un focus assez important sur la question fiscale. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vraiment la seule solution, c'est une fois que les revenus sont gagnés, de penser à augmenter les impôts pour les plus riches pour redistribuer, ou il ne faudrait peut-être pas penser à d'autres choses comme ce que James Galbraith a proposé pour les pays scandinaves où on a des inégalités salariales plus faibles au départ, ou d'autres choses comme la réflexion sur le SMIC, comme sur la réforme agraire, c'est-à-dire sur les revenus primaires, et non pas attendre la redistribution pour faire la politique économique de réduction des inégalités. Merci. On va prendre une série de questions, peut-être, comme ça, on pourra juste derrière. Je suis Armand Rioux de l'Argenté. J'ai eu le privilège de travailler à l'AFD pendant plus d'une vingtaine d'années. On a dit au début que l'intérêt de cette séance était de transformer l'AFD en particulier. Et je voudrais poser la question, est-ce qu'un des points importants de cette transformation ne porte pas précisément sur un des sujets qu'on a abordé en particulier James Galbraith, qui est de savoir quelle est l'influence de la finance sur notre comportement? Je vois deux difficultés. L'une, c'est dans les incitations des agents de l'AFD, qui sont principalement financières, et depuis 40 ans que je suis dans le métier, on a beaucoup de mal à donner priorité au renforcement des capacités locales par rapport aux incitations financières de décaissement, etc. Deuxième difficulté, et là je me réfère particulièrement à ce qu'a dit James Galbraith, qui est de savoir, est-ce que dans notre cadre de pensée, nous ne sommes pas en train de porter, je dirais, pour simplifier, une idéologie qui est celle des multinationales, c'est-à-dire de la libre circulation des capitaux. Est-ce que l'essentiel, comme l'a dit Alicia, c'est les investissements directs étrangers? Ou est-ce que ce ne devrait pas être plutôt ce qu'on appelle en anglais le policy space, c'est-à-dire notamment l'autonomie monétaire des pays? Merci. Merci. On avait une question par ici. Allô? Oui, il est là-bas, allez-y. Xavier Ricard, je travaille à l'AFD. Alors, j'ai une question pour Alicia. Je ne sais pas si je dois la poser en français ou en anglais ou en espagnol, je ne sais pas. En français pour tout le monde. Et puis bon, en français pour tout le monde. Donc, oui, moi, j'avais l'impression, en l'entendant, que finalement, la CEPAL revenait à une conception
qui était celle finalement des, disons, de la substitution d'importation telle qu'on a connue dans les années 60-70, à l'époque où la CEPAL était, était dirigée par Prebisch. C'est-à-dire qu'il y a des structural gaps et qu'il faut enrichir la croissance, évidemment, avec des politiques industrielles et des politiques de formation pour élever le niveau de compétence des acteurs économiques. Finalement, ça, c'était tout à fait l'approche de la CEPAL autrefois. Donc, est-ce qu'on n'a pas un retour, là, à des politiques qui ont été impulsées par le passé? Et la deuxième question, c'est que j'ai l'impression que vous restez quand même tous très tributaires d'une vision très croissantiste, en fait, hein, c'est-à-dire qu'il faut absolument de la croissance pour permettre de la redistribution. Aucun d'entre vous, en tout cas, n'a remis en cause l'idée qu'on pourrait parvenir à réduire les inégalités sans croissance. Or, il y a un certain nombre de travaux, et notamment ceux de Gagiro, hein, qui essayent d'inscrire une perspective de réduction des inégalités dans une hypothèse de croissance nulle ou quasi nulle. Donc, et on sait par ailleurs que la crise écologique nous encourage fortement à revoir, sinon l'hypothèse de la croissance, du moins son contenu. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Merci. Merci. On a plein d'interventions ici. Oui, Jean-Robert Suessert pour Coordination Sud. On a beaucoup parlé donc de l'augmentation des inégalités dues à la financiarisation, à la mondialisation de l'économie, mais on a aussi eu sans doute dans la même période des théories qui ont conduit à diminuer ou à changer le rôle des institutions et des États. Est-ce que, on n'en a pas tellement parlé hein, dans ce panel, est-ce que les institutions ont un rôle à jouer pour redresser le tir? Merci. Il y avait, puisqu'on est devant, voilà, par ici. Après, il y aura complètement de l'autre côté. Allô? Ça va? Oui. Bon, c'est une question qui s'adresse à monsieur. Peux-vous vous présenter, s'il vous plaît? Lun Zhang, professeur à l'Université de Sèche et Pontoise. Bon, c'est une question qui s'adresse à monsieur Sancel concernant l'augmentation des inégalités en Chine. Je pense que le gouvernement chinois doit être très content de vous entendre que la Chine a augmenté moins d'inégalités par rapport à l'Inde. Mais ce que je voulais dire, hein, c'est que comme vous soulignez les difficultés de faire des enquêtes, de chiffres, etc., mais j'invite, je ne sais pas comment vous avez corrigé, avec quel genre de chiffres, j'invite, on vraiment prête attention, fait attention. Par exemple, je vous donne tout simplement un cas. On a énormément de cas. On a, par exemple, les gardes corrompus, on a capturé. À la maison, on a découvert des centaines de millions de yuan en liquide. Vous voyez, c'est ça que, quand tout ce genre de choses, il faut qu'on fasse très attention pour le tirer de conclusion. C'est une invitation, en même temps, une petite question. Quel genre de chiffres que vous avez utilisés pour corriger l'enquête? Merci. Merci. Il y a une question complètement de l'autre côté, en bas. Et je pense que c'est... Et après, on en aura une un peu plus haut, et ce sera la dernière. Andrea Cornia, University of Florence. Three very brief observations. I think that the analysis of income inequality should be accompanied by an analysis of asset inequality. And if you think that what happens in Brazil, where the people are basically, I mean, the rich are basically destroying the forest and occupy the land in Paraguay, and so on and so forth, it may well be that the current decline in income inequality until 2015 is accompanied by an increase in asset inequality, which is not good for future income inequality. The second one on the point made by Lucas Chancel is that, we are able to capture better than before tax evasions, but not the fact of assets held abroad. And there are about a lot of assets being held abroad, and it is estimated that the income on that is about $280 billion a year. Now, half of them from the north and half of them from the south. And finally, an observation on China. I don't agree with you. I just come back from
from China. I spent about 10 days in their own university. Inequality is falling, aggregate inequality, but basically because the income share, the income ratio between urban income and rural income is improving thanks to remittances. In the urban areas and in the rural areas, in both of them, inequality is rising. Thank you. Merci. On a une dernière intervention là-haut. Oui, bonjour, Anis Ziad. Je suis élève ingénieur à l'École des Ponts. Merci pour vos contributions. Ma question s'adresse à Monsieur Baraka. Alors, Alicia Barsena nous a fait part de la culture du privilège qui existait dans les donc dans cette région du monde, donc l'Amérique latine et les Caraïbes, qui rendait plus difficile la répartition des richesses dans la société. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était du Maroc et voilà. Et en quoi est-ce que l'histoire du Maroc pouvait expliquer la difficulté de la répartition des richesses dans ce pays-là? Merci. Merci pour toutes ces interventions. Vous avez 6 minutes et vous êtes 4. Donc je vous laisse faire le calcul pour la question, pour le timing de vos réponses. Well, first of all, I wanted to say that it has been very interesting to interact in this panel. Just very quickly on this import substitution, I think that ECLAC has moved quite away from this import substitution. It was a very particular period in the history when the World War was happening after the World War, and there were no possibility of imports, really, of capital to come to Latin America, and that's why Prebisch moved into that on the agricultural sector, basically. Now, today it's very difficult to talk about import substitution. We're not going back to that. The economies are so open that it's very difficult to talk about import substitution, although due to the crisis of balance of payments, it wouldn't be bad if our countries can think a little bit about how if they can do more in terms of producing their own inputs for some types of production. But I want to refer to a very interesting thing that Mr. Galbraith said, that he doesn't agree with me that Latin America is the most unequal region of the world. I'm talking about income inequality, basically. But indeed, I have to say, when we combine income with wealth, we are even worse. We just made a study of wealth inequality in Mexico, and you can find that 10% of the population have 80% of the wealth, assets, I mean, in general. I'm very concerned about France, and I would love to hear your views about why are you going backwards in terms of these taxes on wealth. I'm very concerned because, I mean, we were looking at you in a certain way, and now in our region, it doesn't exist at all. We don't have taxes on patrimony or wealth. We only have taxes on income and on consumption, the VAT. So please explain why are you doing this, if you can. You know, honestly, I mean, talking about inequality, I mean, no. And last but not least, I wanted to say that you're right, James, when you say that an industrial society, manufacturing society, has less inequality, except when you have a functional inequality, which means that once you get the GDP, the distribution between wages and capital is very unequal. And this is the case of Mexico. Mexico exports, let's say, probably 1.2 million daily to the US. No? But that distribution of that wealth goes more to the wealthiest, to the capital, to the assets, than to the wage distribution. There is no minimum wage. It's very low. And I think this is something that we have to talk about at some point. I'm sorry, I would like to say so many things, but the only last thing, tax evasion. We are measuring tax evasion in Latin America. Tax evasion in Latin America today, for me, is the culture of privilege, by the way. Evasion and elusion is $350 billion a year, 6.7% of GDP. So even if we just put our hands on tax evasion, we would be better off. Thank you so much. Thank you. Merci. Moi, je voulais pour répondre à la question. Il est clair que l'aspect culturel joue un rôle très important. Et la preuve en est, en fait, la problématique du civisme fiscal. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% de l'impôt sur le revenu provient des salariés, et donc ce qui montre véritablement qu'il y a encore un effort à faire. Et comme disait Alicia, nous n'avons pas non plus d'impôt sur le patrimoine. Et donc c'est aussi
un effort important à faire pour pouvoir réduire les inégalités. Et je crois que c'est aussi, je dirais, ces réformes qui sont importantes qui nous permettraient d'aller de l'avant. Et je voudrais ajouter un point, parce qu'on a parlé des institutions. C'est clair que les institutions ont un rôle très important à jouer en termes d'efficience, mais aussi pour pouvoir rétablir la confiance. Aujourd'hui, la problématique majeure, c'est la confiance en l'avenir, et les institutions peuvent jouer un rôle essentiel en la matière. Merci. Merci. Jamie ? Word first of all about the first two questions, which I think I can tie together. There is a very strong tendency in analyzing these questions to focus on the national level, and that is because that is where the information is. So the well-known proposition of the drunk looking for the car keys under the streetlight applies here. This is not necessarily a bad thing, but it is going to cause you to miss important phenomena. When you begin to realize that a large part of the variation in inequality is, let's say, contemporaneous across time and closely associated across national boundaries, then you realize that you have to be looking at a pattern which emerges from something other than distinctive and idiosyncratic national policies. You're looking at things which are intrinsically interdependent. So global patterns require you to begin to analyze the forces at play in the world economy at large. And there are, of course, as one of the questioners pointed out, the capacity of some countries to set their own course. China was a major example, and I resisted the temptation earlier, to which I will now yield, to tell a story of the period in middle 1990s. When I was the chief technical advisor to the State Planning Commission of the People's Republic of China, and on one occasion organized a conference on international economic policy, which I did under a certain cloud of apprehension that they might be planning a change in policy. So I called a very distinguished economist named Robert Eisner of Northwestern University. I said, "Bob, have you ever been to China?" He said, "No." I said, "Well, I'll give you the UN per diem and a business class ticket." He said, "Fine." I said, "But there's a catch." He said, "What's the catch?" I said, "You have to stop them from liberalizing the capital account." And in 1995, he came to Beijing, went to a conference at Huairu, and that's exactly what he succeeded in doing. In 1997, when we wrapped up the project, they had a two-word comment on that, one-word comment on that. The word was xie xie. Smaller countries have a more difficult problem because divide and conquer works in the world economy. And so smaller countries either have to band together and seek solutions to this problem at the regional level, perhaps under the stewardship of a regional, powerful economy that is willing to cooperate in controlling capital flows, or one has to seek a reform of the global system. But right now, we are living under a system which is dominated by private financial interests. And taking that system in another direction is going to require governments which are able to govern the financial sector rather than be governed by it. And it has been at least 40 years since we've been in that position. But that seems to me to be the most fundamental issue that we face. Very quickly, and of course, it's necessary to get the institutions, the International Monetary Fund, the OECD, and others, to focus on this issue. Otherwise, they will continue to divert our attention into such matters as the quality of elementary schooling and so forth, which is an important question, but has very little bearing on whether an economy can escape from being a dualistic, high inequality, low income country in the world structure. On the Chinese inequality question, our information is built upon fairly detailed decompositions of the structure of the Chinese economy, and it suggests that the stabilization of inequality in China has two elements. One of them is geographic. It's simply the fact that initially the reforms concentrated incomes in a handful of places, Guangdong province, municipalities of Shanghai and Beijing. As the process develops, you get other areas, Zhejiang, Tianjin, other Fujian, that can come up in the income tables in China, and as a result of that, the inequality
that is initially present is ameliorated. And the second is a structural element, a sectoral element. Inequality in China in the reform period went up in large part for the same reason it goes up everywhere. Financial power emerges with high paid financial sector, the energy sector, the transportation sector. The crisis caused a sharp drop in the relative advantage of those sectors, and that also meant that between those two things, between 2002 and 2008, you had a substantial, let's say, transition toward stable or even modestly declining inequality in a country that's nevertheless far more unequal than it was 30 or 40 years ago. Jimmy, I think we have to stop there. Very, very quickly on Mexico. On the, it is still true, notwithstanding the correct observation that the exporting sectors in Mexico are higher income than the non-exporting sectors. Mexico's high, you know, glass, sulfur, petroleum, as and the Mexico exporting regions are, and the north is higher income than the extreme south. So these are important aspects of this that are still true, even though relative to an advanced country, it remains a highly unequal and relatively impoverished economy. Thank you. Lucas, sur la Chine. Très rapidement, sur la Chine, est-ce que le gouvernement serait content des données? On montre quand même que les inégalités sont deux fois plus importantes que les chiffres officiels. Donc il y a quand même au niveau de la comparaison internationale, il faut prendre ça en compte. Sur le détail des informations, on prend compte des données fiscales en Chine. Mais là, c'est un point plus général où l'ensemble de ces méthodes, l'ensemble de ces travaux sont mis en ligne. Ceux qui veulent avoir accès à ça en deux clics peuvent accéder au code informatique utilisé pour générer toutes ces séries. Donc il y a vraiment aussi un travail de transparence autour de la publication de telles données sur le site wid.world. Autre point sur quelles sont les solutions, est-ce qu'il n'y a que la fiscalité? Juste un point sur la fiscalité, c'est la fiscalité d'aujourd'hui, c'est quand même en partie ce qui fait l'inégalité de revenus primaires de demain, et notamment via les revenus du capital. Donc ce n'est pas la solution magique, il n'y a pas de solution magique pour réduire les inégalités à l'intérieur des pays, mais c'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et bien sûr, il faut parler d'institutions, bien sûr, il faut parler de la régulation du contexte international. Juste un point sur les institutions, c'est quand même toujours important de montrer cet exemple qui est frappant aux États-Unis. C'était le pays qui avait le plus haut salaire minimum au monde dans les années 60. Ce salaire minimum fédéral a baissé de 30% en 50 ans, alors que dans d'autres pays, il a fait x4 comme en France. Et ça contribue notamment à écraser la part du revenu des 50% du bas. Donc il n'y a pas de cocktail magique. Il n'y a pas de solution magique, mais c'est un cocktail de solutions, évidemment. Enfin, croissance, inégalité, environnement. Il me semble que certains pays nous montrent quand même des exemples intéressants. Pas forcément encore, en tout cas à ce stade, pour avoir une économie stationnaire sans croissance, avec réduction des inégalités et protection de l'environnement. Mais si on prend l'exemple de l'Indonésie, par exemple, et ça fait le lien aussi avec ce qui se passe en France actuellement, on a une forte baisse des subventions aux énergies fossiles, donc une hausse du prix des énergies fossiles. Et l'équivalent de cet argent-là est investi dans la protection sociale, dans la hausse des dépenses de santé, d'éducation et de transfert aux plus modestes. Donc ici, on a une combinaison entre protection de l'environnement, modèle de croissance plus protecteur de l'environnement et réduction des inégalités via la protection sociale. Et bon, pour refaire le lien et boucler sur la France, c'est pas ce qui avait été choisi dans l'utilisation des recettes de cette taxe carbone dont il est question aujourd'hui dans ce pays. Merci. J'appelle Stefano Manselvisi qui revient de l'Elysée, qui va peut-être nous dire s'il a parlé taxation du capital avec le président de la République. Mais en attendant qu'il s'installe, merci de remercier nos panélistes. Vous pouvez rester 3 secondes. Jamie, ouais, comme vous voulez. Merci beaucoup. Et en fait, avec le président de la République, avec une certaine modestie, surtout, j'ai un peu affecté le travail ce matin et je m'en excuse. Mais c'est toujours utile de faire un peu le point aussi sur bien d'autres sujets. Mais là, je suis très, très content de pouvoir partager avec vous un peu cette expérience qu'on est en train de faire ensemble avec l'AFD. Et c'est la première fois qu'on travaille ensemble sur ce sujet de manière à non seulement contribuer à forger un peu ce qui est la pensée sur le développement, mais aussi pour orienter notre action basée sur la recherche.
permettez-moi de dire que trop souvent on fait sans avoir analysé et surtout avoir analysé ensemble. Donc je crois que c'est une très bonne expérience sur laquelle on est déterminé à construire encore plus. Alors c'était un discours d'introduction, donc tout ça est largement dépassé. Vous êtes déjà entré dans le vif du sujet, donc je vais essayer d'être bref, mais je voudrais tout simplement partager avec vous certains points. Je vais le faire en anglais, d'ailleurs, je passe un peu anglais et français pour vous tous. I think that point number one is that the extent of inequalities throughout the world today and the consequence, not only in developing countries, but also in our countries, is a major concern of ours. Globalization, as you know, is creating a lot of opportunity and it has contributed quite dramatically to reduce poverty, and not only poverty, but it has also created a certain number of shortcomings. And the most visible indicator of this is precisely the high level of inequalities, which is crossing around the world. So I take, therefore, inequality not as one point, one aspect. I take this as probably the center of gravity of what I would call the unsustainability of globalization, because this is a thermometer, is a way to read across a certain number of things that is happening and that on which we should intervene. We have the Agenda 2030, which has been the result of the European work, because basically, not only in negotiating terms, but in the term of the approach that has been followed, is very much the result of our culture. And of the attempt to put together not only a catalogue of things to do, but rather spotting policies which are necessary in order to reach the SDGs. And in particular, the SDG 10, which is a bit the most representative, meaning reducing inequality within and among countries, is a standalone goal which is a sort of polar star for our action. So, and the importance of reducing and tackling the inequalities is a bit cutting across the whole Agenda 2030. And therefore, closing this gap or contributing in closing this gap is, one of the key objectives of what we are doing at the European level. I mean, obviously, there is a link internal and external. The importance of SDGs and the Agenda 2030 is precisely that for the first time in a comprehensive way, analytical, but also action-wise, it indicated that our problem are their problem. And inequalities in the world of developing countries is intimately linked to the inequality also in ours. And the solutions are also to be found in this way. And I think that this is important because, if I may say, in particular, for what the European Union can add as a value is also to send this kind of message that working for, a more sustainable world is also a way to consolidate, to reform also our model, our societies, our way of integrating ourselves. Concerning developing countries, the indicators are very troubling because inequalities are higher now than 30 years ago. And this in particular in Latin America and in sub-Saharan Africa. And in many cases, this is concerning middle-income countries and upper middle-income countries, in spite of all the project of growth in terms of quantity. All this is something that you know very well. This is the result of many factors, unequal distribution of gains from globalization, technological change, unequal access to education and health system, ill-designed fiscal policies, just said, in many partner countries, insufficient international cooperation on addressing illicit financial flows and tax evasion. A lot of evidences on which you are protagonist, and therefore you know that very well, on the link between inequalities and the break to economic growth, job creation, and poverty reduction at the end of the day. The negative impact on economic growth, recently documented by two IMF econometric studies, one showing that an increase in 5 net Gini points decreases growth on average by 0.5 percentage points. Another suggesting that the duration of growth spares also robustly associated with the distribution of income. 10 percentile decrease in inequality increases the expected length of a growth spell by 50%.
As to the negative impact on poverty, another recent study focusing on sub-Saharan countries found that a 1% reduction in the Gini coefficient led to about a half percentage point reduction in the poverty rate. All this evidence on growth seemed very persuasive, but similar correlations are also higher inequality, worse outcome in environmental protection, resilient society, respect of the rule of law, and conflict prevention. I will not touch here, of course, because we are in another discussion and time is short, the impact on that on politics and on democracy. But I think that everybody should link easily what it means a sustainable model for unsustainable societies. Very often in developing countries which have already weak institutions and a weak system of rule of law, this can only contribute to increase these weaknesses about democracy. Now, through the European Consensus for Development that we established, and this is a consensus which is European in the sense that politically everybody is committed to this political framework, member states and European institutions as tried and translate into concept and action what is the Agenda 2030. And we are striving for youth development policy to be one of the major tools to deal not only with the negative consequence of globalization, but also to ensure we go beyond growth by reducing inequalities in all dimensions. It is important that we work together on all this because, you know, Europe matters not only in our single market, but Europe matters also when together we are working. The concept that we are all the time underlining that together we are the biggest aid provider, then we can discuss about what is aid today or what it should be tomorrow. But in any case, the biggest provider of ODA, it could remain happily a statistics if we are not working together in analysis upstream, but enjoying doing downstream. And I think that Europe has a story to tell if we work together. In our experience as European Commission, we have seen how we could address inequalities in our action. For example, through the budget support, which is one of our major tools through which we intervene in partner countries. It is important for the macroeconomic dimension and for the management of public finance because it stabilizes macroeconomic environment and it is also incentivate progressive tax policies in order to make economic growth sustainable. It is important at least to limit backlashes on employment and income opportunities for the poor. And it is also a leverage for an effective policy leading to domestic revenue mobilization and more transparent management of public finance, which can allow better transfer in order to have, distribution of income in a fair way. We had example, which with some success recently in Paraguay with EU supported the tax policy and administration, Tropical Trust Fund, as it's called, implemented by the IMF, and even in countries like in Cuba, where, we are trying to enter into the definition of public policy under reforms, even if in a Cuban way, which is obviously, in a way, which is transforming or in a way, what is the economic system. But not only budget support with the macroeconomic objective of stabilization, but also, and even more, the sectorial, what we call the sectorial reform contract, which are sectorial budget support, in a sense, to support public policies and to reform public policies in order to allow them to be financed in a more sustainable way and to reach those which otherwise will not be reached because of the structural, element of inequalities in this system. This is the budget support is one tool that we are implementing in order to intervene in this. Another is to mobilize more resources and to boost investment to support economic growth, in particular to private investment. You know that we have launched the idea and the practice now to have a structure, an external investment plan and supporting private investment for sustainable growth. Recently, we spoke about the alliance with Africa for sustainable investment, for sustainable growth and job creation. And we are already working on this with quite important results, many of them, by the way, in partnership with the Agence Française de Développement and addressing
sectorially these investments in energy, in digitalization, in managing the big cities to generate small and medium enterprises and access to fund. We have now, let's say, investment for several billion euros, which are ongoing. But of course, we want to plan to do much more in the next financial cycle in order to make the support of private investment, de-risking private investment, but for sustainable growth as a central pillar of our work. Third aspect that I would like to underline here is the importance to keep and to even to increase the work in fighting discrimination, discrimination against women. The gender issue is intimately linked to the inequalities and to the unsustainability of many economic and social models. It is well known, but I think since we are practitioners also, not only, let's say, analysts, that this is not only embedded in a growing sound analysis, but even stronger in terms of action. We have a lot of initiative, the Gender Action Plan, but simply to underline one of the most important initiative that we are doing with the United Nations, which is called the Spotlight Initiative, which is the initiative fighting violence against women in the whole world. Think this should remain one of the pillars of our action if we want to be credible and effective. I think that there are many other things, but I repeat, since my intervention is in the middle, I don't want to take too much of your time, also because you already enter into many things. But I would like to underline the importance in development terms to remain and even to increase in a smarter way our intervention in what are usually called middle-income countries. Maybe it is not immediately seen as a priority, because pocket of poverty are reduced, because the indicators in terms of GDP is higher in any case, and therefore theoretically they have the means. But in reality, these countries, in particular in Latin America, but not only, are in what we call a development in transition towards something more sustainable. And inequalities are very much at the heart of this. I'm pretty sure that Alicia Bassina has elaborated a lot on this. And we are working with the program like EuroSocial, which is implemented in Latin America, which has as an objective to share the European experience. Problematic, contradictory, it could be, but to share these experiences of the economic and social model in the way in which we organize our society, in the way in which we interact with the administration, and in the way in which we are, so far, let's say, developed our economic model in the most inclusive way. After all, the motto of the Agenda 2030, leaving no one behind, if we think 1 second, is the key objective of the European Union since its foundation. Successful, less successful, but this has been the inclusive objective of our society. The reason why I think it is particularly important from a development point of view and for the message that we send to our societies to underline the fact that inequality is global, and this is an element which is linking our societies with their contradiction and the societies in developing countries. And investing in developing countries is something which is beneficial for the sustainability of the whole world from this point of view. Important also to reconnect sometime public opinion what we are doing. A bit less transfer of money in the donorship, you know, approach as we used to follow, but much more sharing, because objectively, you know, the inequalities in certain part of the world are increasingly bringing inequalities in our part of the world and vice versa. Reason why we are working with the IFD and with others in order, first, to have in July, when we have the United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development, a moment in which the reflection and the action can receive big visibility and can increase the level of alliance in order to do it. And second, we will organize our annual event, the European Development Days, in June of this year on the inequality subject, in order precisely to have another moment of reflection, but also action for practitioners of development. So this will be on the 18th and 19th of June, and say I invite all of you to attend this moment of reflection, which has become
over the years a sort of European rendezvous about what are the issues at stake and what as European we can do. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et encore une fois, je m'excuse pour avoir un peu, disons, changé l'ordre des interventions et aussi de vos travaux. Mais je pense sérieusement que c'est pas qu'on est au début de cette réflexion, mais il faut travailler davantage pour faire en sorte que la question des inégalités soit un marqueur, soit, disons, un critère d'orientation pour toutes nos actions. Et je termine par une chose qui n'était pas l'objet de mon intervention, mais qu'en voyageant dans le monde, en parlant avec les dirigeants, en parlant avec la société civile en Europe aussi, c'est que les questions des inégalités mettent les démocraties à risque et que tout agenda qui veut, comme il faut, augmenter la rule of law, l'état de droit, le respect des droits fondamentaux, risque de devenir de l'advocacy s'il ne se marie pas avec une action crédible qui fait les institutions crédibles, qui fait en sorte que les populations, les citoyens participent et que voient des résultats concrets. Les inégalités sont, à mon avis, à notre avis, une des menaces les plus importantes aujourd'hui pour les démocraties et pour la crédibilité des institutions qui sont généralement en réforme pour être capables de capturer les espoirs et l'activité des citoyens. Et même si on n'a pas le temps d'élaborer, je pense que je voudrais terminer avec ce message, parce que le développement n'est pas un transfert d'argent. Le développement, c'est une contribution à une politique de soutenabilité au niveau mondial. Et je crois qu'en tant qu'Européens, on a tout intérêt à travailler ensemble, parce que finalement, c'est un peu notre modèle. Merci beaucoup. Merci à tous de sortir. Vous avez donc maintenant un coffee break. There is a coffee break now, 20 minutes. And we meet again in this room at 12 o'clock sharp. Thank you. Donc on se retrouve à midi exactement. Vous avez maintenant une pause café de 20 minutes. Merci.